Et coucou tout le monde, coucou Hisoka, comment ça va? M'entends taper sur mon clavier, tu tapes très fort. J'ai un clavier mécanique, donc forcément ça fait du bruit. Et encore, ça s'entendait plus avant. Donc j'ai mis des filtres sur le micro pour que ça s'entende un tout petit peu moins. Bon après, j'entendais, j'ouvrais aussi des bouteilles et je posais des trucs sur le bureau, donc c'était peut-être ça. Je ne sais pas. Mais ouais, les claviers mécaniques, forcément, c'est un petit peu fort. Alors comment que ça va? J'espère que t'as passé une bonne semaine, j'allais dire, ce qui est pas trop fatigante, mais ça, c'est les vacances, n'est-ce pas? Ah, vivement des prochaines vacances, je sais pas quand, ce sera bien. Ah, c'est quoi tous ces... tous ces emotes? J'étais en train de dire, t'as mis beaucoup d'emotes, y a Streamlabs qui va te ban, et bah bingo. Bon, c'est que pendant une seconde, mais... Décidément, le bot, il aime pas. Hein. Mais sérieux, oui. Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai trois bots de chat là-dedans. Ils arrêtent pas de se télescoper à chaque fois dès qu'il s'agit de tout gérer. Quoi. C'est trop embêtant à régler. Coucou, Bubble Beer, comment ça va? J'espère que t'as passé une bonne semaine. Bah, attendez, je vais quand même essayer de voir si justement dans Streamlabs, je peux pas un tout petit peu... Le calmer. Coucou Noah! Eh ben dis donc, il y a plein de monde ce soir là. Vous êtes tous à l'heure, vous êtes venus attirés par le titre pour me voir pelleter du caca d'éléphant. Hein. Parce qu'on m'avait expliqué comment faire, mais comme ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, je ne suis plus sûre. Donc on va redécouvrir. Ah oh ben écoute, moi j'ai une semaine fatigante, mais alors là je suis contente que ce soit fini et je vais glorieusement ne rien foutre de tout le week-end à part streamer et glander. Et j'ai absolument pas honte. Ah, je vais quand même essayer de retrouver Wellplayed. Encore ? Non, attendez, je vais quand même voir ce truc avec Streamlabs parce que là, il commence un peu à me saouler. Alors, je veux bien si tu en mets 10, ok, mais si tu en mets que juste un ou deux, là, j'ai pas eu le temps de voir. C'est un bon programme de week-end, ouais, bon, je suis assez d'accord. Ça va plus être pareil à partir d'octobre parce que je rempile quand même pour un module avec la fac, mais... Enfin, je rempile pour un module, c'est-à-dire c'est la dernière année où j'essaye et si ça devient trop galère, j'arrête parce que j'en ai marre. Pour un diplôme qui va en soi pas me servir, hein, c'est pour la gloriole et il faut faire bien sur le CV. Mais bon. J'en étais où, moi? Cloudbot, c'est ça le truc d'alerte? Alors, protection des symboles, protection des mots, des emotes, voilà. Alors, sanction, purge, ok. Je lui ai mis un minimum de 10. Ouais, bon ben voilà, vous avez... Ah ben, faut en mettre 9. Faut en mettre 9, voilà. Alors Noah fait de quoi? C'est une licence de Computing and IT. C'était en fait pour la petite histoire, j'avais commencé ça il y a 4 ans. Alors à temps partiel évidemment, hein, donc je vais mettre entre 6 et 8 ans pour le faire plutôt que 3. J'avais commencé ça en me disant je veux aller en IT mais je n'ai ni expérience ni diplôme. Du coup, ben, l'expérience, si on t'embauche pas, tu peux pas l'avoir. Et si tu l'as pas, on t'embauche pas. C'était un peu ben, l'œuf et la poule. Donc je me suis dit je vais faire le diplôme. Je me suis inscrite et genre 3 semaines après, j'ai commencé à avoir des entretiens avec, bah, pour la boîte avec qui je suis maintenant. Donc en fait, j'ai commencé le diplôme tout en commençant le boulot en IT dans ma boîte. Donc voilà pourquoi je dis... Ouais, c'est ça, si tu en mets que 9, ça passe. Donc voilà, je vais peut-être le laisser comme ça, on va... Il faut que je mette un truc dans le titre, 9 emotes maximum. Mais... Alors le maximum, c'était quoi? J'ai mis 50... Ouais. Je vais le laisser comme ça. On va le laisser à... Vous pouvez en mettre 9. Il n'y a pas tellement besoin d'en mettre plus. Encore que... Ah, je vais le mettre à 12. Je vais être gentil. Vous pouvez en mettre jusqu'à 11. Voilà. Et s'il y a des gens qui abusent, eh ben, je taperai sur les doigts. Comme toujours, j'avais fait une formation pour de la soudure. On m'a dit non, il n'y a pas d'expérience. Ouais. Bah ouais, c'est un peu... C'est toujours un peu le truc, quoi. Donc, en fait, il suffit de la boîte qui vous donne votre chance. Et moi, en fait, je vous cache pas, c'est pour ça que je suis très, très en faveur de tout ce qui est apprentissage, contrat de qualification, contrat d'apprentissage et tout. Parce que ça vous fait de l'expérience en entreprise. Et après, vous sortez de votre formation et personne ne peut vous dire que vous n'avez pas d'expérience.
Et je sais pas, on a cette espèce... Enfin, je pense que c'est encore le cas, cette espèce d'élitisme en France. Comme quoi, il y a l'université, voilà, les études supérieures, c'est nécessairement le pass, alors qu'en fait, c'est hyper saturé. Vous vous tapez 5 ans de master, vous sortez, vous n'avez pas plus d'expérience, vous n'êtes pas plus embauchable. Donc, faites des BTS. Je regrette de ne pas avoir fait un BTS quand j'avais 18-20 ans, parce que ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon, tant pis. Moi qui suis motivée pour une fac de médecine. Ah, t'es parti pour 10 ans, là, en fac de médecine. C'est... Par contre, en médecine, oui, là, t'as quand même de l'expérience, parce que c'est pas 10 ans sur les bancs de la fac, t'es quand même externe, puis interne, enfin, sauf si ça a changé. Après, faut être motivé aussi, parce que en tant qu'interne, tu te tapes des années aux urgences avec des chiffres de nuit de 12 heures, je sais pas, hein, faut vraiment... C'est le mieux. Du coup, je suis retournée en plomberie avec 20 ans maintenant. Bah ouais. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux faire de la soudure sur des tuyaux ? Médecin légiste, 12 ans, 10 médecine normale et 2 ans de spé. Les 2 ans de spé, je pense que je sais pas pourquoi, je soupçonne que ça va être les meilleurs. Parce que, au moins, médecine légiste, les patients, ils t'embêtent pas, je pense. Hein. Ils te disent pas grand-chose. Enfin, j'espère. Ça fait un bon terreau pour des histoires, ça. Médecin légiste qui arrive à parler à ses patients. Non, pas tous, ouais. Allez, à l'horreur, t'as des patients qui se relèvent et tu fais « Ah, mais vous étiez mort !» Ah. Je savais déjà avant, là, je voulais faire de la soudure industrielle. Ah, ok, ouais, d'accord, oui. Donc c'est pas la petite soudure avec le petit chalumeau de base, ok. On est d'accord. C'est aussi sur les victimes d'agression. Ah, ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Après, je dis pas, c'est pas mon... C'est-à-dire mon area d'expertise, merci les anglicistes, c'est pas mon domaine d'expertise. Aide psychologique. Ah bah c'est intéressant ça, parce que pour moi c'était effectivement... Il n'y avait pas de patient vivant quoi. Bah j'apprends des choses en chattant sur le stream. C'est parfait. C'est beau quand même, c'est pour ça que moi j'aime bien prendre le temps de papoter un peu. Alors évidemment, s'il y a personne sur le chat, je vais lancer le jeu, mais quand il y a du monde, moi j'aime bien discuter avec vous comme ça, 15, 20, 30 minutes, ça me va. C'est... Quand j'ai dit ça, ma prof, elle m'a dit c'est original. Bah écoute, si c'est ce que t'as envie de faire, c'est pas évident de passer 40, 45 ans de sa vie dans un emploi, alors autant que tu prennes un emploi qui te motive et où tu sens que c'est vraiment pour toi, quoi. Pourtant, j'avais une licence validée, mais bon, tant pis. Ouais. Bah, c'est l'œuf et la poule, hein. Si on t'embauche pas, tu peux pas gagner d'expérience, et comme t'as pas d'expérience, on t'embauche pas, donc... C'est un peu naze. Non, faut vraiment plus d'apprentissage et de formation avec pratique, vraiment, enfin, pratique validée sur le terrain. Je sais pas comment dire, avec une sorte de contrat où tu apprends... Et en même temps, tu bosses et du coup, la boîte te valide, je sais pas, 6 mois d'expérience ou un truc comme ça. Et comme ça, bah, même si c'est que 6 mois, ça reste de l'expérience. Après, peut-être que aussi, il y a ce côté pour soudure industrielle, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté également, tout ce qui est sécurité, danger du travail, qui est, à mon avis, plus prononcé qu'en IT à faire des réinitialisations aux paramètres d'usine d'un pauvre routard ? Et que peut-être, ouais, le manque d'expérience, là, ça peut carrément mener à des accidents. Ça, je ne sais pas. Je suis sûre de vouloir faire dans le domaine de la médecine. Après, j'ai toujours d'autres métiers qui me motivent, mais c'est dans la santé. Ouais. Moi, ce que je trouve désolant, c'est que tout ce qui est dans la santé fait partie des trucs les plus mal payés. Et je trouve ça honteux, quoi. C'est... Bah, il suffit de voir avec le Covid, hein. Ouais, c'est bien, à 8h du soir, en train d'applaudir les personnels soignants et tout, et 6 mois après, ouais, les bonus, on vous met un doigt, on vous crache à la figure, on vous enfonce le bras jusqu'au coude. Ouais, j'aimerais bien que ça change aussi, parce que... C'est quand même hallucinant, hein, que moins le métier il sert à quelque chose, mieux il est payé, et puis quelque part, inversement. C'est... dire, je sais pas, prenez un avocat corpo... Ça représente les intérêts de l'entreprise, mais à part ça, ça sert à rien. Et c'est payé super cher. Alors que bon, le mec ou la nana qui stocke les étagères là au supermarché pour que tout le monde ait à bouffer en période de pandémie, bizarrement, ils sont payés de la merde. Mais ouais, mais c'est tellement ça, c'est trop, quoi.
Bien sûr, on l'a appris, et s'il le valide, c'est que c'est acquis, autrement il la donne pas. D'accord, ok. Ok, ouais. Ouais. Je sais pas, je connais pas du tout le secteur, donc j'avoue que je sais pas trop. Après, qu'est-ce qui permet de décider, quoi? C'est... moi, je sais, dans ma boîte, en fait, moi, je suis ingénieur réseau, mais pour les entretiens d'embauche avec le nouveau personnel potentiel, c'est une partie des ingénieurs réseau qui font passer les entretiens techniques, parce que les recruteurs, c'est des gens des RH, mais c'est pas forcément des gens qui s'y connaissent en réseau. Et je sais que nous, ce qu'on regarde, c'est pas nécessairement l'expérience. Enfin, moi, je ne regarde même jamais le CV de la personne. C'est... j'arrive... je parle à la personne, je regarde, je vois qu'est-ce que j'ai comme contact avec elle, est-ce qu'elle est polie, est-ce qu'elle a l'air engagée dans, est-ce qu'elle a l'air bien dans l'entretien, ou est-ce qu'elle a l'air de s'en foutre, est-ce qu'elle est en retard, tu vois, style, c'est la personne qui se pointe 10 minutes en retard, ça, voilà, c'est pas terrible. Je lui fais passer les scénarios techniques, et je regarde en fait si elle a les bases. Mais c'est vrai que les bases du réseau, c'est des choses que tu peux apprendre dans les bouquins. Et si tu les as bien appris, Tu arrives en fait à faire les scénarios techniques que je fais passer, et du coup, moi, si la personne elle arrive, je la valide, si elle arrive pas, je la valide pas, quoi. Mais bon, ça c'est dans ma boîte. Après, l'expérience de toute façon, elle se gagne dans ce genre de boulot, elle se gagne sur le terrain, quoi. Le pire, c'est qu'ils peuvent ne pas être payés s'ils sont pas vaccinés. Ouais. Après, du personnel soignant qui est pas vacciné, j'avoue que je préférerais qu'ils soient vaccinés quand même. Hein. C'est... je veux dire, pour eux, pour tout le monde. Hein, même. Invateur, c'est des héros, même pendant leur manif, c'est des hors-la-loi. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est... et même pourquoi vous manifestez, on vous a donné 50 euros de plus. Ouais, super. C'est... Et on en voit, hein. Moi, je vois du personnel soignant, ils ont fini par faire des dépressions, maintenant ils sont en arrêt de travail. S'il y a des recrudescences du Covid, de la nouveau ou d'autres choses, ben voilà. C'est pas très logique, on est d'accord. Coucou chouette, comment vas-tu? Donc, comme je le demande à tout le monde, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Il y en a plein qui sont partis, ouais, exactement, exactement. Gagne rien, le personnel de supermarché, c'est pire. Je suis d'accord. Ça gagne rien alors que ça fait partie des boulots essentiels. Et on a bien vu, hein, la première vague, le premier confinement, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de PQ. Oui, il n'y a plus de PQ parce que bizarrement, les gens, ils ont pensé à faire des stocks de ça. Bon, j'aurais fait des stocks de bouffe, mais... parce que, alors, ça va peut-être vous paraître dégueulasse, mais quelque part, si vous n'avez plus de papier toilette, vous pouvez quand même vous laver, hein. Vous prenez du savon, vous lavez avec vos mains, après vous lavez les mains une fois que c'est fini, et puis c'est réglé. Alors que bon, vous n'avez pas de bouffe, vous n'avez pas de bouffe. C'est... ah, super semaine de vacances! Ah, profites-en bien, c'est bien les vacances. J'essaye d'avoir une semaine fin août. J'espère que ce sera validé. Mais bon, avec une semaine, je ferai pas grand-chose. Hein. Je vais juste avoir le temps de me reposer, mais ce sera déjà ça. Il y en a, ils servent pas à grand chose et ils sont grave bien payés. Les avocats corporatistes, ouais. C'est... PQ, c'est pas essentiel. Mais oui, Noah, mais c'est... c'est ça, je veux dire. C'est pratique, on est d'accord. Moi, c'est... oui. Désolé pour le jeu de mots, c'est totalement voulu. Ça me ferait chier si je devais m'essuyer avec mes propres mains couvertes de savon. Parce que j'ai pas l'habitude. Mais à choisir, Bubble Beer, vaut mieux s'essuyer que manger pour les gens, voilà, bon, pour moi c'est l'inverse, vaut mieux avoir à manger, et puis pour t'essuyer, alors évidemment tu te prends même pas de la merde au cul, mais bon bah tu te laves quoi à la place, c'est... Et puis voilà. Ah oui non mais là ce jeu de mots j'ai pas eu honte, hein. Là, j'assume totalement. Il faisait comment avant? Mais ouais. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment existé. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Mais je sais que quand on faisait certains jeux de rôle style période médiévale renaissance, nos personnages, ils avaient un bâton à merde. Donc un bâton avec le bout sculpté comme ça, en bois sculpté pour que ça fasse des aspérités. Et puis, l'essuage avec le bâton à merde, quoi. Je sais pas si ça a vraiment existé. Mais l'idée est pas conne, donc. Une feuille de chêne. Ouais, alors la feuille de chêne, ça va, faut éviter de confondre avec des orties, hein, parce que sinon vous allez pas chier. Enfin, vous allez chier du sang, mais... ma grand-mère m'a dit qu'il faisait ça au papier craft.
c'est drôle un peu. Papier craft, on parle bien de l'espèce de papier brun un peu épais, hein, parce que tu m'as dit papier craft, moi dans ma tête j'ai pensé toile émerie et je me suis dit non, je veux pas imaginer ça, non. Ouais, ok, donc le papier brun un peu... Ah ben, pareil, seconde guerre mondiale, quand il y avait toutes les pénuries, les gens, ils ont appris à se démerder avec autre chose que les stocks de PQ du supermarché, hein. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, moi, ça pique un peu, je pense, tout petit peu. C'est marrant parce que, moi, ma grand-mère, elle était adolescente, jeune femme, pendant la seconde guerre. Donc, ma famille, elle vient d'Alsace. Et du coup, les Alsaciens, là, les malgré nous, tout ça, ils étaient incorporés d'office dans l'armée. Et pour les femmes, souvent, ils étaient envoyés bosser dans des fermes, des fermes allemandes pour aider les paysans et tout. Et donc ma grand-mère me racontait beaucoup de ses histoires comme ça, de ce qu'elle a vécu. Et c'est marrant parce que maintenant, le mot qu'elle emploie, puis qu'on emploie beaucoup en Alsace pour dire par exemple, ils n'avaient pas du vrai beurre, c'était ce qu'on appelle un ersatz, donc un succès d'année. Et moi ça me fait marrer chaque fois quand je vois le mot genre les succès d'année, végans, les trucs voilà, qui remplacent de la viande ou des produits laitiers. Et il y a beaucoup de gens qui disent succès d'année, mais moi je veux dire ersatz parce que je pense toujours à ça quoi. Moi aussi, mon arrière-grand-mère, elle était ado. Ouais, un jour, ça lui est arrivé. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais... Ouais, moi aussi, j'ai eu 15 ans un jour. Moi aussi, j'étais au lycée. J'allais dire, moi aussi, j'ai eu des boutons plein la face, mais en fait, j'en ai encore dans la face de temps en temps, donc non, ça part pas. Si on vous dit que l'acné, ça disparaît après vos 18 ans, c'est faux. Désolée. Oh, bref, je suis en train de raconter ma life, c'est... Mais... J'ai toujours connu âgé, ouais, c'est... Forcément, quoi. Bubble Beer, on est à peu près de la même région. Ah ouais, t'es en Lorraine, toi, il me semble. Alsace-Lorraine, quasiment le même combat à ce niveau-là, quoi. Ça a toujours un petit peu marché main dans la main, on va dire. Ça a toujours été les territoires tampons qui se faisaient envahir d'un côté, puis de l'autre. Et... Près de Metz, ouais. Coucou Lounès, comment ça va? Ah, toi aussi, tu viens pouvoir pelleter du cacoun. Je sais toujours pas comment faire. Je suis déçue, ça va me suivre toute la vie, ma vie, les boutons. Bon, je te rassure, c'est pas aussi pénible que quand t'es ado, mais... Dès que c'est un petit peu hormonal, forcément, t'as la peau un peu grasse, t'as un peu transpiré, faut se laver la face, quoi, c'est tout. Je vais bien, et toi? Je viens pour John. Oui, John Cena. Alors, je vous rassure, je n'ai pas joué depuis... Donc, John Cena n'est pas mort dans votre dos, il est toujours là, il est toujours dans son enclos. Et il y a toujours Maurice qui est en train d'élever son gosse dans l'enclos d'à côté. Parce que c'est Santa Barbara ce zoo, quoi. Alors, d'ailleurs, du coup... Donc, il y avait une dizaine de jours, il y a Lapi... qui a organisé un giveaway sur sa chaîne. On pouvait gagner alors soit le jeu, soit un DLC, donc j'ai gagné un DLC. Alors, j'ai hésité entre le pack aquatique et le pack arctique. Alors, je me rappelais qu'on m'avait parlé de phoques, et je croyais que c'était dans le pack arctique, et en fait, apparemment, c'est dans le parc aquatique. Il y a des phoques, des loutres et tout, donc j'ai pris celui-là. Je sais pas à quoi s'attendre, mais j'espère que ce sera bien. Il y aura normalement aussi des pingouins, des trucs comme ça. Et... Il faut que je pose des nénuphars. Et puis il y a des crocodiles. Alors ça c'est les loutres. J'aime beaucoup les loutres en vrai, c'est super joli. Voilà, on a eu les phoques, les pingouins, et puis... Et puis voilà. Ouais, c'est ce que disait Bubble Beer, ça se calme quand même. C'est... Je vais juste couper le son là-dessus. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder les crocodiles, ça nous mettra d'entrain. Je préfère le pack arctique. Le pack arctique est le prochain sur ma liste. Avant d'acheter trop de trucs, j'attends juste d'être payé la semaine prochaine pour voir ce à quoi j'ai droit. Parce que c'est le mois où sont prélevés les impôts. Donc j'ai aucune idée combien ils me prennent. Enfin, le prélèvement, c'est-à-dire c'est la régularisation. Parce que évidemment, c'est prélèvement à la source ici depuis très longtemps. Et je sais pas en fait.
Je sais pas ce que ça va donner. Donc j'attends avant de dépenser trop de pognon. J'essaie de garder un peu de côté. Ah, les impôts. Ceux parmi vous qui ne payez pas encore d'impôts, profitez-en. Profitez-en. Il y en a, ils ont créé un robot dauphin pour éviter d'avoir des animaux vivants. C'est pas forcément mal. Parce qu'il y a aussi des trucs, des... Ouais, t'en profites, non? Tu as bien raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a aussi des zoos où, par exemple, les orques, les dauphins et tout, ils sont super maltraités. Et puis c'est... Mais d'un autre côté... S'ils sont bien traités, au moins ils sont vivants. Ils sont pas en pleine mer où ils se font pêcher par des chalutiers, rentrer dedans par des torpilles et où ils s'échouent sur les plages morts de faim parce qu'ils ont bouffé du plastique et ils ont plus place dans l'estomac pour de la vraie bouffe, quoi. Alors, tu essayes de 100% un jeu, t'es à 94%, c'est Kirby Robobot. Ah, c'est celui dont vous parliez, c'était quand? Mardi? Je crois. Moi je donne à notre roi Macron, il est content. Moi j'espère que je dois pas donner au roi Macron parce que je donne déjà à la reine Elisabeth, ça suffit quoi, j'ai pas payé 2 souverains en plus, hein. Non mais oh. Alors ça aussi, la deuxième année où j'étais en Écosse, les impôts en France, ça faisait 2 ans que j'étais plus là, ils ont quand même essayé de me faire payer la taxe d'habitation, hein, j'ai fait. Non, non, non. Sur Google, je te conseille de regarder Idole des étoiles exé. Ok, je me note ça. Je vais voir ça après. J'essaie de trouver un stylo. Coucou Vost, comment vas-tu? T'as pas streamé aujourd'hui parce que je suis rapidement passée pendant ma pause de l'après-midi, mais il me semble pas que je t'ai vu. Alors, c'était quoi, Idole des étoiles? Ok. Macron, ouais. J'aimerais bien lui donner, mais il est pas d'accord. Ah. C'est vrai, il faudrait inverser le truc, les humains en cage, les animaux en liberté. Ah, ça pourrait être intéressant ça aussi. Enfin, peut-être pas pour les humains dans la cage, mais au moins les animaux, ils seraient peut-être mieux, quoi. Idole des étoiles. D'accord, alors c'est le boss du jeu Kirby Robobot. Ok, d'accord. Pas streamé, trop fatigué aujourd'hui, d'accord. C'est, y a des... J'étais un peu moins busy ce matin, et je m'étais dit, ah, je vais aller voir s'il n'y a pas Géades ou d'autres streamers que je regarde bah, qui sont là, et le vendredi matin, c'est là où ils prennent tous leur break, alors je fais bon. D'accord, tant pis. Le lion en liberté. Bah, ils sont censés être en liberté à la base. C'est les humains qui se sont juste répandus partout comme les gros virus dégueulasses qu'on a, quoi. Mais enfin bon. Après, on est d'accord, je voudrais pas me réveiller avec un lion dans ma chambre. Quoique, oubliez pas, les lions, c'est des gros chats. Si vous promenez avec un carton, vous avez une chance de vous en sortir. J'ai pas testé. Ne faites pas ça chez vous à la maison. N'essayez pas d'adopter un lion. Je demande par contre, si maintenant vous avez un lionceau, vraiment un tout bébé, et que vous l'avez élevé, est-ce qu'il va être agressif avec vous? Non mais Faust, t'as pas à t'excuser, hein, c'est juste que ça fait déjà 2-3 fois que tu me raides avec... Oh! French Bunny? Et j'arrive pas à vous rendre l'appareil, quoi. Dans leur zone naturelle, puis les humains en voiture. Oui, oui. Comme ça, la voiture, elle court vite. Enfin, elle roule vite pour échapper au lion qui court, tout ça. Je suis fatiguée. On les enferme comme des imbéciles, ils ont pas l'air heureux, même quand ils sont bien traités. C'est marrant, ça me rappelle les humains au travail, en fait, dans les open space, avec les petites parois, là. Pas de soucis, je m'excuse pour la forme. Ça marche. Ça marche. Bah écoutez, je vais quand même doucement lancer le jeu. Et on va voir ce qui se passait. Il est où mon jeu? Il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Enfin, moi-même aussi, sans doute, ouais. Bah, après, le truc, c'est moi, c'est pareil. J'avais l'occasion de streamer mercredi et jeudi soir. Mercredi, j'ai streamé, j'avais les yeux qui brûlaient, j'ai arrêté au bout de un peu plus de 2 heures et encore. Et puis jeudi, finalement, je t'ai dit, ouais, je t'ai tenté, mais j'étais trop fatiguée. Bah, j'ai pas fait. On vit 2 jours sur 7 et on travaille 5 jours sur 7, c'est pas cool. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais, si on peut avoir un travail qu'on aime vraiment, ben ça rend les choses un peu supportables, quoi. C'est... Quand t'as un travail qui est pénible, ça l'est moins, on va dire. Et non, vous saviez qu'il y avait des serveurs Discord avec eux une image de Biden et Obama. Ok. Pourquoi pas?
Je suis tombée sur de la fanfic porno Joe Biden, Barack Obama. Hein. Donc rien ne m'étonne. Je suis tombée, je vous montre pas sur Twitch parce que déjà je sais plus où c'était et en plus c'est pas pour les enfants. Mais j'ai trouvé des photos de vibromasseurs en forme de Barack Obama à l'époque des élections, là, 2008. Donc ouais, Burke, on est d'accord. Je vais mettre en pause parce qu'il est en train de me dire qu'il y a un habitat qui est dégueulasse. J'ai quel âge? J'ai 42 piges. Je suis une daronne. Enfin, pas tout à fait parce que j'ai pas de gamin, mais... Bah, je suis une vieille et c'est pour ça que je dis team vieux. Parce que je suis plus âgée que la plupart de mes viewers. Faut mieux pas voir tout ça. Parce que après, vous pouvez plus vous le sortir de l'esprit, quoi. C'est... Ouais, j'ai 42 ans, ouais. Ah, Bubble Beer, tu me rattrapes, enfin presque. 38 ans. 42, Iron à 40 et bientôt 41. Ah ouais. Ah. Ouais, fausse, je sais, je les fais pas, ça doit être les cheveux blonds. C'est les cheveux blonds et je pense le fait que j'ai arrêté d'être prof à temps avant que ça me fasse des rides. Ça, c'était le meilleur choix de ma vie. Ouais, tu es jeune, bah oui, mais ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, dites-vous bien que tôt ou tard, vous allez être vieux. Hein. Malheureusement, on sera tous vieux. On est tous vieux un jour. Je vais essayer, mais pas sûr de réussir. Ouais. Ah, qui sait si je me fais cryogéniser pendant 4 ans. Je peux me mettre dans le congélateur. Il me donnait 30 ans, pas plus. Ah ouais, quand même. C'est... Après, le truc, c'est vrai que j'ai pas, en fait, de pas de doigts. J'ai pas des rides au niveau des yeux, alors qu'il y a des gens, même à 35 ans, ils ont déjà... c'est très marqué. Ouais, j'étais prof pendant 5 ans. Ça a pas duré longtemps. Au bout de 5 ans, je me suis dit... ce milieu est pourri. Je me suis cassée. Quand je vois maintenant ce qui se passe dans l'éducation nationale, j'ai dit, j'ai trop raison, quoi. Ah, quand une couleur des cheveux? Ah, parce que tu crois que c'est ma couleur naturelle, ça? Bah, attends, tu m'as pas vu avec mes... Vous m'avez jamais vu avec ma couleur naturelle? Je crois pas. Éventuellement, mais évite le congé, on veut pas lire un fait hiver moyen. Faudrait que vous le lisiez en anglais, en plus, parce que ce sera publié en anglais. Prof de quoi? Bah, prof d'anglais, en fait. Du coup, oui, bah mon niveau d'anglais est pas dégueu à la base déjà parce que bah il fallait que. Je sais pas, il se passe quoi avec l'éducation nationale? De la merde en fait. Je veux dire, gèle des salaires depuis je sais pas trop, depuis 15 ans, si pas 20 ans. Alors que bon, les salaires normalement, même le SMIC, tout ça, ils prennent 2% chaque année avec l'inflation. Enfin, normalement. Bon, les profs, voilà. Je suis mieux payée avec 4 ans d'ancienneté dans ma boîte que si j'avais 20 ans d'ancienneté en tant que prof. Hein. Juste pour dire. Donc le métier est super déconsidéré, les directives ministérielles à chaque changement de ministre, bah, chacun essaye de faire sa propre merde. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'étais prof d'anglais, ben j'avais des classes de 3e en collège et il y avait le brevet. Et on avait également, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant en France, mais il y avait le socle commun des compétences. Et donc, le brevet, c'était les épreuves français, maths et histoire-géo. Il me semble que c'est ça. Hein. Donc, les épreuves écrites, tout ça. Mais pour les profs de langue, il fallait quand même qu'on valide les élèves au niveau de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et tout, dans le carnet du socle commun. Si l'élève, si on le validait pas, si on disait qu'il n'avait pas un niveau suffisant en anglais, par exemple, bah techniquement, l'élève, on pouvait pas lui donner le brevet. Et nous, je sais, le bahut où j'étais à l'époque, le principal, il nous a dit « Validez-les, parce que de toute façon, si vous le faites pas, je passe derrière vous, je les valide à votre place. » Bon. Voilà, quoi. Il y a eu des trucs où... On a eu des suicides. Un des établissements où j'étais, il y a eu un suicide. Et quand je dis un suicide, c'était à 1h30, en pleine vue de la cour de récréation. Il y avait tous les élèves qui étaient là, les élèves, les profs, les surveillants, tout le monde. Tout le monde l'a vu. J'ai passé l'après-midi, j'avais 3 classes de 5e, j'avais des enfants hein, de 12 ans, parce que là, sur le coup, là, c'était vraiment des enfants, ils étaient la moitié qui étaient en larmes et tout. Il y a eu cellules psychologiques pour les élèves et tout, mais alors pour les profs, que dalle. Ouais, c'est sympa, quoi. Et moi, en fait, j'ai passé, je sais pas combien de... Parce que, forcément, ça m'a choqué aussi, un suicide, j'ai eu personne dans mon entourage qui s'est suicidé. C'était la première fois quelque part que c'était aussi proche de moi, quoi. Je me suis retrouvée à complètement me
désensibilisée. J'étais une espèce de robot en fait pendant 2 semaines comme ça, parce que psychologiquement, il a fallu que je me démerde comme je pouvais, quoi. Et ça, les profs, on s'en fout, quoi. Un suicide si jeune. Alors, c'était pas un élève, c'était un membre du personnel. Et alors, vous savez ce qui m'a fait flipper ? La tentative de suicide, parce que il est pas mort sur le... La personne n'est pas morte sur le moment. Elle a été emmenée à l'hôpital. Mais la tentative de suicide, bon, c'est une chose. Les élèves dont il faut s'occuper, il faut les réconforter, comme dit les interros, on n'y pense pas, les cours on n'a pas fait, c'était perdu d'avance. Ça, c'était une autre chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment fait flipper, j'avais un de ces élèves de 5e, qui à un moment donné, il est venu, il s'est approché de moi, il m'a regardé, on voyait, il avait les lèvres en fait qui tressautaient un petit peu du genre, il voulait sourire, mais il se retenait, et il m'a demandé, madame, si le monsieur, il meurt, est-ce que on annule les cours pour le reste de la semaine, quoi. Là, moi, franchement, j'ai flippé. Et je me suis dit, ok, d'accord. C'est... Le gamin, quasiment le sourire aux lèvres, ouais, si le mec qui a essayé de suicider, il crève, est-ce qu'on peut ne pas avoir cours, yeah, youpi, super, quoi. Je fais, ok. La réaction de merde, ouais, c'est... Alors... J'ai envie de penser que c'était une réaction immature et non pas une réaction qui préfigurait un futur tueur psychopathe. Mais ouais, ce truc qu'il a trouvé, top le gosse, ben c'est ça quoi, 12 ans. 12 ans. Ouais. Et ouais, pour la fin de l'histoire, effectivement, le monsieur est mort 2 jours après. Il l'avait mis en coma artificiel, mais il se serait pas réveillé, donc ils ont débranché quoi. On croit 7 psychopathes par jour. Ah, c'est pas impossible. Enfin, en période de Covid, peut-être moins quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, je le connaissais pas personnellement. Hein. C'était... je lui disais bonjour, mais on n'a jamais vraiment discuté. Mais bon, même, quoi. C'est quelqu'un qui suicide, c'est jamais... Ouais, cool la vie, hein. Ouais. Je sais, on parle toujours de trucs vachement cool sur ce stream. Je sais pas, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû vous plomber le moral avec ça. Mais ouais, c'est pour vous dire les trucs qui se passent dans l'éducation nationale, au niveau de la hiérarchie, gérer les élèves c'est une chose, hein, vous avez des fouteurs de merde dans toutes les classes, vous avez aussi des élèves très bien, vous avez envie d'accompagner, vous avez envie de les encourager, et quand je dis des élèves très bien, j'entends pas nécessairement que des bons élèves, parce que quelque part l'élève moyen mais qui s'accroche, limite c'est encore mieux que le bon élève, parce que tu sais que lui il a pas de facilité mais il s'accroche quand même. Ouais, ça reste un choc, ouais, ça c'est d'accord. Mais on avait... mais ouais, tout le reste, quoi, c'est... Souvent, les profs sont pas soutenus. Et à côté de ça, dès que tu ouvres ta gueule, c'est... Ah ouais, non mais vos gueules, vous avez 2 mois de vacances, vous avez les vacances scolaires. Je dis ouais, enfin, 2 mois de vacances, alors que t'as dû te démerder psychologiquement toute seule face à un suicide. Ouais, tes 2 mois de vacances, ils piquent un peu, quoi. C'est... Le truc choquant, c'est que pendant les manifs devant le lycée, les policiers sont venus tous nous taper. Genre, ils faisaient pas la différence, ils allaient dans le lycée pour chercher tous les élèves pour nous gazer. Ah ouais, carrément, quoi. J'espère que tu t'es pas fait gazer, quand même. Parce que... Voilà, quoi. Il y a un mec qui s'est suicidé de 5 étages, je sais pas il avait quel âge, je l'ai vu, vraiment, ça m'a choqué. Bien sûr, il est mort sur le coup. Oh, putain. Je suis désolée que t'aies eu à voir ça, quoi. Enfin, je suis désolée, j'y peux rien moi-même, on est d'accord, mais personne devrait voir ça. Et puis ça devrait pas arriver qu'il y ait des gens désespérés au point... Je veux dire, c'est ça, en fait. C'est être désespéré au point que, quelque part, le seul endroit où tu te sens en sécurité, c'est dans la mort. C'est quand même horrible, quoi. Ah mince, Noah, mince. Pas de séquelles, j'espère, hein, genre les yeux ou autre chose. Une politique actuelle, tu la fermes ou tu la fermes. Moi, c'est un peu ça, quoi. Puis, alors, en plus, le Covid a absolument rien arrangé avec tous les trucs. D'abord, les profs qui devaient pas se faire vacciner, ils avaient pas le droit de prendre d'aller sur... il fallait qu'ils y aillent que le week-end. Pas le droit de prendre un congé mal. Genre, si tu fais une réaction au vaccin, tant pis, tu viens bosser quand même. Maintenant, c'est genre, non, il faut qu'ils soient vaccinés. Il faut savoir, quoi. Du coup, on s'est tous habillés en blanc avec une pancarte, c'est nous les gentils. T'avais contrôle avant, puis ça allait. Ok. Ouais. Ouais, enfin quand même, quoi. C'est...
Qu'est-ce qu'il y avait eu? Alors, nous, il n'y a pas eu de police, mais c'était quand? C'était quand, automne 2010, où il y avait eu toutes les manifs, les routiers, tout ça. Il y avait eu le prix de l'essence qui avait flambé parce qu'il y a eu pas mal de, bah, de camions qui livraient l'essence et tout, qui avaient été bah, qui étaient bloqués à cause des grèves routières. Et je sais que dans le lycée où j'étais, bah, ils manifestaient aussi. Et puis c'était assez rigolo dans le sens où du coup les portes étaient bloquées, hein, les portails. Et bah, les élèves étaient là, bah madame on n'a pas pu venir parce que le portail était bloqué, on nous a pas laissé rentrer. Puis il y en avait qui disaient, ah, madame je suis pas venue parce que le portail était bloqué. Moi j'étais là, j'ai fait, oh, toi t'es à l'internat, t'étais dans le lycée, personne t'a bloqué quoi. Ou alors l'élève qui habitait, alors l'élève était redoublant donc il était majeur, il avait déjà le permis de conduire, il avait une voiture. L'élève qui me faisait, ouais j'ai pas pu venir parce qu'il y avait du verglas, j'ai fait, écoute... Tu habites le rez-de-chaussée de mon immeuble, c'était vrai. Et moi, j'ai réussi à venir, donc je veux pas d'excuses. Ah, des fois... Ah, c'est vraiment cool les lives de Nao, hein. Ouais, c'est, on parle de tout ici, hein. C'est gay. Ici, la police doit pas avoir le vaccin, mais si on veut sortir, ben nous, oui, si pas de passe, on rentre plus nulle part. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça, y a ça. Je vous avoue que... Alors, ici, y a pas de... passe, mais faut encore porter les masques et tout, quoi. C'est... Bon. Mais ouais. C'est... Mais après, oui, je sais qu'on discute pas forcément de sujets toujours super drôles, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir parler de... Bah, c'est bien. Voilà, les live jeux vidéo, c'est bien, mais c'est quand même bien de pouvoir parler. Alors, on a tous des expériences différentes. Et bah pouvoir échanger des fois ça fait aussi du bien quoi. Les masques nous aussi ouais. C'est... Pareil que depuis le début de la semaine on n'est pas obligé de porter les masques mais enfin bon. Les gens les enlèvent dans la rue, mais dans les magasins tu les remets quoi. On va peut-être se calmer vu que parler du suicide c'est je pense parce que limite sur Twitch. Ah c'est une bonne remarque. J'avoue que je ne sais pas. Mais c'est une bonne remarque, faudra que je regarde si c'est pas des sujets un peu... Je sais que par exemple dans les prédictions, vous pouvez pas écrire le mot mort, M-O-R-T, ils vous laissent pas le mettre. Et des profs au lycée, quand je leur dis que j'étais dans un collège ZEP, ils me regardent mal. Ouais. Mais il y en a qui sont... Puis des fois il y a des trucs, moi j'étais pas toujours d'accord, je me suis accrochée un certain nombre de fois au niveau des conseils de classe. Dès qu'il y avait un ou une élève qui avait des notes... on va dire genre 9 de moyenne, des trucs, bon, pas terribles, mais bon, voilà. C'était tout de suite, hein, bon, on va le mettre, on va... La nana, elle était en première L, et c'était, on va la mettre en STG, quoi. Je dis, ouais, mais vous croyez qu'elle va s'en sortir mieux si vous lui faites faire de la... Elle est pas bonne en maths, et vous allez la foutre dans une section où vous avez de la compta avec coefficient 11 au bac, quoi. Tout ça parce que, bah non, en filière générale, on veut pas des gens qui ont moins de 10 de moyenne, hein. C'était un peu... Et notre c'est rabaissant, ouais, c'est... Après, je dis pas, j'ai pas non plus de suggestions pour un meilleur système, hein, mais... Il y a vraiment ce truc de, ouais, les mauvais élèves, entre guillemets, on les balance dans les... Voilà, les... À l'époque où moi j'étais en collège, c'était 4e et 3e techno, c'était un peu les classes poubelles, où on s'en foutait finalement que l'orientation corresponde aux élèves. C'était, ils ont pas de bonnes notes, on va les mettre dans ces classes, comme ça, les classes générales, on s'en débarrassait. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Pour certains, c'est normal, mais il y a des cons partout. Ça, hélas, des cons, il y en a effectivement partout, quoi. J'ai toujours pas ce que je devais faire avec ce caca d'éléphant. Il faut que je mette un soigneur, je crois. Ah purée, je sais plus ce que je devais faire. C'est horrible. Je crois que c'est ça, salle du personnel. On commence le jeu, ouais, bah tactiquement il est déjà commencé, mais ça empêche pas de parler, hein, ça c'est pas un souci. On va quand même aller voir John. On va voir comment il se porte. Il est où le John, il est là? Ah non, ah, il est là, voilà. Voilà, John Cena dans toute sa magnificence avec son poil bien lustré. Oh il est beau. Oh, il est beau.
par contre, il n'y a pas de partie génitale. Désolée. Mais je regardais si la, le mâle panthère avait des coucougnettes, je sais. Oh, regardez-moi cette queue. Oh, c'est trop beau. C'est énorme. Ça, c'est du beau chat. Voilà, ça, c'est du chat. Non, non, il est vraiment beau. Hein. Je vais me faire un screenshot. Voilà, je fais un petit... Non, j'ai pas castré jeune, je te rassure. Alors du coup, avec les caméras que je sais pas où la mettre, on le voit pas, mais il ne prend pas de contraceptif. Il y a un truc ici qui est pas activé, c'est le... Il est pas sous contraceptif, il est pas castré. Je te rassure. Par contre, s'il refait des petits avec Enkituya machin, va falloir que je leur fasse un troisième enclos, hein, parce que visiblement, ils aiment pas être à plus que deux adultes. Trop de détails. C'était surfait de développer les bouboules. Ouais, après... Ah, c'était comme... On s'était marré. Je sais pas si vous connaissez vous savez, le jeu un peu même style que Pokémon Go, mais sur Harry Potter, Wizards Unite. Et puis, bah, vous devez chasser des créatures de l'univers de Harry Potter, dont des loups-garous, quoi. Puis les loups-garous, bah, ils ont pas de partie génitale. Et on rigolait avec des potes quand on jouait, on était là, ouais, les loups, ils ont pas de pénis, ils ont pas de partie et tout. Puis on était là, ouais, enfin, je suis pas sûre d'avoir envie que c'est un jeu pour les enfants, que quand il y a des loups-garous avec une grosse bite, quoi. Je fais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Trop long à faire. Ouais, trop de détails à animer en 3D. Je sais, je regarde les couilles de mes panthères. Ne m'en voulez pas. C'est... Le jeu pour les enfants, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce genre de truc. Toi, tu te fais la réflexion en tant qu'adulte de... Tiens, le truc, il a pas de partie génitale parce que... Bah voilà, quoi. Mais en fait, oui, pour les gamins, c'est peut-être pas terrible. Ok. Je vais voir quand même si j'ai assigné des soigneurs. C'était où? C'était dans le personnel. J'ai pas joué depuis la dernière fois en stream, hein, donc je vous avoue que je sais plus comment ça se passe. Bah, faut observer tout, il n'y a pas de mal. Ouais. Faut être curieux dans la vie. Soigneur, éléphant, lion. Ah oui, c'est vrai parce que j'ai mis les éléphants et les lions. Ah mais il y aura des lions là-dedans. Mais oui. J'avais zappé ça. Et où est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas de soigneur? Je pense qu'il en faut un pour eux. Bah, tenez, ce qu'on va faire, on va mettre une salle du personnel ici. Alors par contre, l'histoire des allées qui se touchaient pas, ça j'ai pas compris parce qu'on m'a dit, j'ai demandé à Lapide dans son stream, et elle m'a dit non, normalement, c'est pas besoin qu'il y ait des allées du personnel partout, tant qu'il y a des allées tout court pour circuler, quoi. Donc, Oh, t'as recommencé Hollow Knight! Tu en es où du coup, Noah? Celle du personnel. C'est le service. On va mettre une petite. Ils sont chiants, le personnel. Ouais, c'est ça. Ils savent pas marcher sur des allées si elles sont pas comme ce qu'ils veulent. Aux dames mentes, d'accord. Ah, les dames mentes, ça me paraissait tellement difficile la première fois. Maintenant, je suis contente de faire ce fight. Parce que, à côté du reste, c'est tellement pépouze. Je ne dis que ça. Ok. Je sais plus où tu en étais depuis le temps que je suis pas passée. Bah, en fait, moi non plus. Mais je sais qu'il faut que je nettoie ça. Alors, il me semblait qu'il fallait mettre un soigneur. Normalement, c'est fait. Il y en a un ici. Ouais, parce que ça, voilà quoi, ça. Les éléphants, ils ont chié partout et en plus, il y en a plein. Enfin, c'est voilà quoi. Oh, regardez-moi ça. Ils ont chié dans leur bain de boue. C'est quoi ça? C'était le baril pour jouer avec. Voilà, il y en a plein le lit. Enfin bon, c'est un peu dégueu. Voilà, c'était pour faire... Ah, vous voyez pourquoi je n'ai pas... Enfin, je suis en illimité ici. Ah, vous le voyez pas. Je suis en illimité au niveau des finances. Parce que le zoo, techniquement, est en déficit. Mais comme
En fait, c'est vraiment c'est la première partie que je fais. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'elle, qu'elle s'interrompe prématurément parce que j'ai pas encore tout pigé au niveau de la gestion. Donc là, je me permets de, d'embaucher tout ce que je veux. Voilà. On va le mettre ici. Non ? Je peux embaucher un soigneur ? Voilà. Ah. Je ne peux pas le faire tomber sur la pelouse. Il faut que je le place sur une allée. Sinon, il n'est pas content. C'est pas propre, cette affaire. Le soigneur doit se bouger un peu. Ils sont crados, ces éléphants. Ouais, bon, en même temps... En même temps, je suis en pause. Alors, va falloir lui créer une zone de travail. On va faire ça. On va mettre ça comme zone de travail. Ouais, on va faire ça comme ça. Non. Je sais plus ce que c'est, mais... Ah, c'est pas les iguanes. Ouais, c'est, les machins là, je les mettrai dans la zone de soins avec les autres. Avec les autres animaux. Donc ça, c'était quoi? C'était les panthères. Voilà. Donc lui, on va pouvoir le mettre dans la zone de travail, hein, des panthères. Ça n'a pas été créé? Je l'ai créé la zone ou pas? Parce que je commence à me poser des questions. Non, ça l'a pas créé. Ok. Je vais y arriver. On est d'accord que j'avais bien... On va jouer avec les gros chats, bon courage, hein. Ouais. T'as été à York une fois, c'était trop bien. T'as visité quoi, du coup? Ouais. Habitat 2, service... Ça, on s'en fout. Mais il me l'a pas prise, hein. Je suis désolée, j'ai un peu, comme dit, j'ai pas joué depuis un moment, donc j'ai apporté pas oublié, hein, certaines choses. Peut-être que je vire la pause. Alors, on va voir si c'était bien ça. Dois-je dire bonjour? Bonjour Wasbin, comment vas-tu? Tu as le droit de passer en lurk et de pas parler à personne, hein. Ce n'est pas interdit, je te rassure. Mais si tu dis bonjour, je te dis bonjour aussi, bien entendu. Musée du train, musée des vikings, la ville et Cambridge. Tu sais que je suis pas allée visiter York. Mais tu me dis qu'il y a un musée du train et un musée des vikings, donc il va falloir que j'y aille. Je me le note. Je me le note. Voilà. Un truc de plus sur mes post-it volants. J'étais à Strasbourg, ça m'a coûté un rétro, c'était moins bien du coup. Ah ouais, effectivement. Ah ouais. À Strasbourg, il y a le marché de Noël, il y a la cathédrale, il y a des trucs sympas. Il y a le musée Rohan, c'est bien le musée Rohan, c'est sympa, il y a des jolies peintures. Je capte pas pourquoi il m'a pas pris la zone de travail. On est d'accord, hein. En créant une, bah ouais. Je comprends pas là. Strasbourg, c'est cool, je dis pas ça parce que j'y vis. Bah, j'ai vécu à Strasbourg pendant plusieurs années, c'est très sympa quoi. Ah, t'avais été au marché de Noël. Marché de Noël, je sais pas s'il aura lieu. Il a pas eu lieu l'an dernier forcément, mais cette année, je sais pas non plus. C'est un jeu de gestion, j'imagine. Ouais, Wasbin, c'est un jeu de gestion et construction également. Où bah, tu gères un zoo, mais il y a aussi des fonctions où tu peux créer tes propres blueprints. Tu vois, tu peux construire tes propres trucs. Enfin, moi je ne sais pas encore le faire parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais...
Tu vois, t'as des trucs en préfabriqué, mais tu peux faire tes propres plans toi aussi. Quoi. Du coup, je pense que j'ai toujours pas créé ma zone. Non. Je sais plus, je suis arrivée à créer une zone ici, donc c'est que je suis pas complètement débile. Ah, le musée des Vikings est génial. Ah, je veux bien croire. Les Vikings, c'est bien. J'aime bien la culture viking. Mon jeu que je dois faire à 100%, presque réussi, j'en fais 98%. Go, Lounès. Go, go, go. J'ai foi en toi. Plus qu'en moi, en tout cas, quand il s'agit de 100% un jeu. T'as un verbe, ça? Oh, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils font, mes cheveux? Quoi? Qu'est-ce qu'ils font, là? Rentrez derrière le casque, cachez-vous. Bon, je vais réessayer de faire ma zone. On va y arriver, hein. Ah, au fait, au niveau de la musique, ça va, c'est pas trop... c'est pas bruyant. Parce que j'ai toujours la radio pour l'instant. Le cheveu rebelle. Mais ouais, mais... Des fois, le matin, mes cheveux, ils font... Pouc, ils font des trucs. Ok. Comment je valide? Comme ça? Comment ça, pas de salle du personnel? Qu'est-ce que je viens de foutre là? Quoi? Ah non, elle existe bien. Oh, je suis désolée, je suis complètement... D'accord, il l'a prise. C'est quoi les couleurs rouge, orange et vert? Tu veux dire quand sur l'espèce de plan là? Alors. Rouge, c'est quand ça n'est pas dans une. Si je me trompe pas. Rouge, c'est quand ça n'est pas dans une zone de travail encore. Vert, ah bah c'est marqué là en plus. C'est une zone de travail quand je la crée. Donc par exemple, si je. Tu vois, quand je suis en train de la créer, ça va le mettre en vert. Ça c'est des zones de travail déjà existantes, donc ça c'est aucune zone de travail, et bleu j'en ai pas, mais je pense que c'est si tu fais une zone où t'as... Voilà, t'as des bâtiments qui sont sur deux zones à la fois. Je pense que c'est ça, du coup, bah... Maintenant il me l'a créé, alors que je le voulais pas, mais passons. Voilà. Et il me faudra une troisième zone ici, parce qu'il me semble que ça chouinait que... Que voilà. Et ici, on vous met bien en rouge que tout ça, Wasbin, c'est du caca des éléphants. Ils ont chié partout, c'est des gros dégueulasses. Tu vois? Donc j'ai dû faire apprendre à faire des zones de travail et mettre des soigneurs pour qu'ils aillent nettoyer le caca. Ah, je dirais, les miens non plus n'ont pas le GPS. Ah, les cheveux, ouais. juste Nao, j'ai une demande à te faire quand Aero fera son live 24h en septembre. Est-ce que tu pourras le raid? Ça dépend quand il le fait. Si c'est un jour où je stream, ouais, y a pas de soucis. Par contre, il faudra juste me rappeler à ce moment-là que c'est là qu'il fait son live 24h si moi je percute pas. Après septembre, je sais pas encore quel sera mon emploi du temps. Par exemple, s'il le fait un samedi, est-ce que ce sera un samedi où je peux improviser un stream? Dans quel cas, ce sera avec plaisir aussi. Par contre, si c'est genre un samedi et je bosse ce jour-là, ben là malheureusement, je pourrais pas trop, quoi. Ou alors, c'est limite, je passe en stream 5 minutes, je vous fais bon, allez, on vient, et puis on me se met juste en stream pour le raid, mais ça fera un peu con quand même. C'était quoi ça? Alors, je crois que là j'avais mis des autruches. Ok. Et j'étais partie pour mettre des lions. Et après, j'irais bien mettre des phoques ou des loutres ou un truc comme ça, histoire que. Pour tester le fameux DLC aquatique. Et comme je disais à Lounès, le prochain DLC sur ma liste, c'est le Arctique, pour qu'on puisse savoir c'est quoi des ours polaires, il me semble. Pardon. Euh,
T'as vu les deux arbres qui cachent la misère là? Ils cachent le chemin d'entretien avec le générateur ou je sais plus ce que c'est. Le transfo. Le Babiroussa, tu l'as. Babiroussa, attends. Babiroussa, je crois que. Non, c'est pas dans ce pack. C'est pas dans le pack Amérique du Sud. Je sais plus. Mais c'est dans un DLC que j'ai pas encore. Malheureusement. Quoique, attends. Attends. On va quand même faire ça. Non, je ne l'ai pas. Même en rafraîchissant les filtres, hélas. Non, maintenant je dois avoir les phoques. Voilà. Il y a combien de packs? 4 ou 5, je crois. Attends. Il y a le pack donc aquatique, c'est celui que j'ai là. Afrique, animaux d'Asie du Sud-Est, Australie et Amérique du Sud. Le Babiroussa, je sais plus dans lequel c'est. Alors, au bout du compte, au final, j'aimerais bien tous les avoir, on est d'accord? Et toi, sans faire de la thune, ouais. Ouais, les DLC étant chacun à genre 10 euros. 8 livres, 10 euros, quoi, ouais. C'est... Voilà. C'est... Vous achetez les 4 DLC, c'est le prix du jeu, quoi. Mais bon. Après, en même temps, le jeu est bien fait. Faut dire ce qui est. Ah, j'ai quand même une question. Est-ce que j'avais déjà acheté les lions ou pas? Je les ai déjà achetés. J'attends juste qu'ils finissent leur quarantaine. C'est pas encore fini. Ok. Morissette, elle va bien. Bon, on va aller voir Morissette. Elle est où, Morissette? Ah oui, puis rappelez-vous, 5000 points de chaîne, vous pouvez nommer un animal. C'est... Alors, j'ai mis à 5000 points, histoire que tout le monde se marche pas dessus non plus, parce que... C'est qui, ça? C'est Morissette? Non, c'est Maurice, il fait la tête. Il est tout seul dans son coin, il fait la tête. Parce qu'il est obligé d'élever un enfant qui n'est pas le sien. D'ailleurs, il est où? Ah là, ça c'est le petit. Il a 0,4 ans. Et elle est où, Morissette? Vous savez quoi? Elle est où, Morissette? C'est une bonne question. Morissette, où es-tu? Ah, elle est là. Il faut les voir. Hein. Les poteaux de l'abri sont plus gros que les panthères, quoi. Voilà, Morissette, elle est là. Elle se cache. Non, ça c'était le mur. Voilà, voilà. Bébé John, je peux le nommer vu que j'ai nommé John. J'aimerais bien nommer toute la famille des John. Alors pour l'instant, il a pas de nom, mais garde tes points de chaîne. Du coup, maintenant que j'ai mis la récompense, si je fais utiliser à tout le monde sauf une personne, c'est pas terrible quand même, quoi. John Cena, c'était parce que je t'avais arnaqué de 1000 points de chaîne quand t'avais joué ton alerte et que je pouvais pas te les rendre. J'y vais, je repasse après si j'ai le temps. Bon stream, si je reviens pas. Eh bien écoute, y a pas de souci, Noah, merci d'être passé. Et puis, ben peut-être à tout à l'heure et sinon peut-être à une autre fois. Mais pour l'instant, je ne renomme pas le bébé de John Cena, hein, comme ça... Je te le garde de côté. Écoutez, on va voir si le soigneur il fait son job. Saleté de la bite. Ouh, c'est quoi tout ça? Oula. Oh. Plusieurs problèmes avec des employés. Une alerte soigneur, comment ça? Ah, Vivarium n'a pas de soigneur. Qu'est-ce qui se passe avec les employés là? Ouais, c'est... Je sais pas ce qui se passe, là. Le soignant ne peut pas atteindre le vivarium, probablement à cause de la configuration des zones de travail. Mais tu me sous... Bon. On va profiter du fait qu'on est en illimité. Hein. On va te mettre là.
On va faire une zone pour les autruches et le vivarium. J'aurais ce suicide guy. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Ah, il n'y a pas de salle du personnel. Hein. J'oublie à chaque fois ce détail. S'ils ont pas une salle pour se reposer, ils sont pas contents. Oh là 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 là. On va la mettre là, du coup. Ah oui, il faut que je réapprenne à utiliser la caméra. Attention. Il est ultra, ultra bien. Ah, je regarderai de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, mais... Quoi ? Quoi ? Comment ça, échec de la modification du terrain ? Obstruction ? Mais obstruction, mes couilles, ouais. Pardon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ma cabane de soigneur là? Ah, je sais, il doit pas être content parce que l'allée ne correspond pas. Comment on enlève des bouts comme ça? Voilà. Ah, je vais me rappeler comment on joue. Hein. Il est pas cher, je crois. Ok, alors. Parce qu'on parlait de ce qui s'est passé au collège avant. Quoi. Je note ça, je regarderai. Après, gardez à l'esprit que je ne vais pas tout faire en stream. Hein. C'est déjà, là, je fais déjà un peu trop de jeux. Parce que trois jeux différents, c'est pas forcément évident de que ça intéresse tout le monde. Donc, je garantis pas de faire à chaque fois tout en stream. Mais je regarderai le jeu après, il n'y a pas de problème. Ah là ! Tu vois que tu peux placer une maison quand tu veux, Nala, tu vois. Ah, yo, c'est laborieux de créer une zone de travail, hein. Fou ! Waouh ! Alors. On va appeler ça comme ça. Défaut d'autre chose. Un jour, tu mettras un buffle dans ton zoo, vu que dans l'autre zoo, il doit s'ennuyer. Dans l'autre zoo, j'avais mis un... Ah, ouais. Psst, ouais. L'autre zoo, je sais pas si j'ai encore la partie, d'ailleurs. Parce que c'était vraiment juste une partie d'essai. Bon, écoutez, je sais pas si c'est normal que ça me crée deux trucs à chaque fois, mais bon, l'essentiel, c'est que ça marche. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Mihai Valaknia. Joli comme nom, Mihai. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est joli. Ok, alors. Bah, il le nettoie, cet habitat, ou faut que je l'aide? Bah alors. Entretien. On va mettre chaque mois. Ah oui, l'enclos n'a pas été nettoyé depuis 5 mois. C'est vrai que c'est un peu dégueu. Coucou Kevlasco, comment ça va? Comment ça se passe chez toi? T'as passé une bonne semaine, j'espère? J'ai vu que tu faisais du céleste hier soir, mais j'ai pas eu l'occasion de passer, désolé. J'ai toujours pas essayé céleste. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a toujours des alertes employées? L'habitat n'a pas de soigneur. Ah, ça c'est les pans. Je viens de lui mettre un soigneur. D'accord, sans doute parce que il est pas encore arrivé. Ok. Du coup, faut que j'en mette un ici pour les pans. J'imagine. Ah, je suis en vacances, donc ça va pas trop mal. Vacances ou vacances du genre, il y a nouveau des confinements et t'es un peu obligé d'être en vacances. Bonsoir Crispims, ton nom ne me dit rien, donc je pense ne t'avoir jamais vu sur la chaîne, donc je te souhaite la bienvenue. À mon avis, c'est peut-être une zone de travail ton problème. Et merci pour le follow d'ailleurs, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors c'est possible que ce soit le problème, mes zones de travail, on est d'accord, parce que j'ai pas joué depuis 2 semaines.
Et il y a deux semaines, j'avais pas encore joué énormément, donc il y a encore plein de choses que je comprends pas trop, même après le tuto, c'est pas toujours évident, quoi. Alors, attends, où est-ce qu'elles sont mes zones de travail? Alors, pour l'instant, les zones de travail... Il me dit qu'il n'y a pas de salle du... Quoi? Ok. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec cette zone de travail? Normalement, j'avais mis le vivarium et... Ok. N'hésite pas à demander, j'ai pas mal d'heures de jeu. Ouais. Ah, je dis pas non, effectivement, si je fais de la merde. C'est bon, on va la virer, on va la refaire. Alors, on est d'accord que je veux mettre le vivarium et l'enclos des autruches. Non, pas comme ça. Alors, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est le vivarium. Ça, c'est les autruches. Ça, c'est la baraque du personnel. Donc normalement, il faut... que je crée une nouvelle zone. On va les englober tous les trois. Donc on voit bien que les vivariums sont dans la salle du personnel et l'habitacis des autruches. Pas besoin de plus de zones avant longtemps. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse des zones plus grandes. Ou alors genre, est-ce que le soigneur qui est là, je peux l'assigner ici peut-être? J'en fais une seule avec tout dedans, d'accord. Parce que moi, quand j'avais vu le dans le tuto, là, il fallait faire la zone pour les pandas, c'était genre, il faisait une zone pour les pandas, quoi. Donc moi, j'avais l'impression qu'il fallait faire des petites zones pour que... Enfin, pour que les soigneurs puissent agir plus souvent dans la zone. Ah. Je t'ai tellement snobé ta question. Non, non, je la vois, Lounès, mais je suis en train de réfléchir. 90 euros, c'est combien en dollars? Ouf. J'en sais rien du tout. 90 livres, c'est à peu près 120 dollars. Non? Attends, on va péter la calculatrice. On va demander à notre ami internet. Parce que là, j'en sais rien, j'ai pas un convertisseur dans la tête. 90 euros, c'est 105 dollars. Voilà. Moi, je fais ça sur des parcs beaucoup plus grands et c'est plus fluide, sauf si tu as un grand habitat avec beaucoup d'herbivores. Maxi poupe. Oui. Ben, en fait, j'ai commencé à faire des zones à cause de ça. J'allais le dire, ouais. Ces éléphants, ça fait 5 mois qu'ils chient partout. Enfin, peut-être pas 5 mois, mais... Surtout que là, ils vont peut-être se reproduire, si je fais pas gaffe. Donc, alors, est-ce qu'il faudrait peut-être du coup simplement que j'étende les zones, tant qu'à faire? Bah attends, on va voir ça. Ah, des éléphants, coucou Fantasy! Comment vas-tu? Tu stream pas ce soir, toi, hein? Il me semble que c'est dimanche. Sur l'habitat, tu peux régler la fréquence des visites du staff aussi. Alors, j'avais fait ça... C'était pas là, c'était sur l'habitat, effectivement. J'avais mis ça soigneur chaque mois. Je peux pas faire plus. Mais je peux faire jamais, enfin bon. Après, le mécanicien, par exemple, je sais pas, et tout, le vétérinaire, je sais pas non plus. Bah, ce soir, tu viens de rentrer. Ouais, d'accord, ok, c'est ce qui me semblait. Ah, les journées de boulot. Ah, moi, j'étais contente que la semaine se finisse. J'ai nouveau des appels planifiés pour la semaine prochaine. Là, j'ai... Vivement, la fin du trimestre, que les ventes nous foutent la... Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans, du coup? Il y a Hunter Schumacher qui s'occupe des éléphants lions. Alors, celle-là, je pourrais la modifier pour mettre ça, du coup. Peut-être. Le mécanicien, c'est pour les clôtures, ouais. Je crois qu'ils ont ils ont un atelier pas très loin, ici. Oui, parce que les éléphants, ils arrêtaient pas de bousiller leurs clôtures. C'est vrai. Comment je peux l'étendre? Comme ça? Ah ouais, comme ça. Non, je peux pas. Ok, comme ça. Alors, la seule question que je me pose, c'est comment je valide, parce que j'ai l'impression que ça valide pas toujours.
Donc là, j'ai sélectionné ça, mais je sais pas si ça l'a pris. Si demain tu peux caser un stream, tu streameras du quoi? Bonne question. Peut-être du Dead Cells, parce que j'ai bien envie de jouer à Dead Cells quand même. J'avoue. Mais c'est pas du tout sûr que je stream demain. Alors tu peux faire deux zones, une avec tout le parc, tout, et une deuxième avec éléphant plus soigneur et repos. Ah ouais, carrément. Ok. Bon, c'est vrai qu'en plus il est pas très grand. Quoi. Donc à ce moment-là, ce serait genre celle-là, où je peux mettre tout ça dedans. Je peux mettre ça aussi. Et je ferme juste et ça le valide. On va voir. Ah ouais, ok. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il fallait que je le crée deux fois, limite, pour que ça marche, quoi. Du Slime Rancher, ouais, peut-être aussi. À voir. Ça, franchement, là, ça dépendra vraiment de ce qui me fait envie. En parlant de Dead Cells, j'ai déjà fini de lire le bouquin. Ah purée, t'es plus rapide que moi. Bon, après, en même temps, j'ai trois autres bouquins sur le feu qu'il faut que je finisse, que je traîne. C'est peut-être pour ça aussi, quoi. Bah, j'espère qu'il est bien. Moi, j'ai peut-être lu une cinquantaine de pages pour l'instant. Il faut aussi que Truc en Rouge soit dedans, surtout distributeur et besoin de mécanicien. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas que pour les soigneurs. Mais tu vois, Crispim, ça c'est le truc, c'est que dans le tuto, il te fait mettre spécifiquement un soigneur. Donc moi, ça m'a donné l'impression que bah, c'était pour les soigneurs, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une zone de travail, pas une zone de soins, on est d'accord. Donc en fait, maintenant que tu le dis, c'est très logique. Donc voilà pourquoi, alors vous ne le voyez pas à cause de mon overlay, mais je suis en mode sandbox, donc j'ai fond crédit illimité et tout, quoi. Tous les streams improvisés, c'est du Slime Rancher. Ben, ça dépend, franchement là, ça dépend de ce dont j'ai envie de jouer. Slime Rancher, je te cache pas qu'il est sympa, mais après, pour l'instant, c'est pas un jeu passion, hein, c'est pas, je suis pas à fond dedans comme Hollow Knight, donc... Mais ça empêche pas, hein, ça veut pas dire si demain j'ai envie de... Ah bah tiens, j'ai vachement envie de faire du Slime Rancher, au dernier moment je vais l'improviser, ça c'est pas du tout un souci. Par contre, j'ai un peu rejoué hier soir. J'ai recréé une partie, du coup je sais pas ce que j'ai fait avec la partie du précédent stream, mais c'est pas grave parce que j'étais pas très avancée. Et en fait, de toute façon, du coup j'ai pu faire une des quêtes de base. Donc c'est pas plus mal. Bah alors ce que j'ai... je vais appeler ça zone principale parce que sinon je vais commencer à me planter. Mais moi je pensais vraiment que les zones devaient être plus petites. Bon écoutez, je vais mettre tous les transfos et tous les chiottes et tous les machins. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là mais on va tout mettre dedans. Bah ça je vais le mettre là. Ça je peux le virer j'imagine. C'est comme Planet Zoo, la première partie c'était de l'essai. Ouais c'est ça. Après après c'est pareil tu vois, Planet Zoo il est sympa. Maintenant j'en ai pas fait pendant deux semaines. Bon. Ok. Et on avait dit dans celui-là on va mettre donc que les éléphants et les lions pour l'instant. Les lions sont juste à côté, on est d'accord. C'est celui-là. Donc ça, j'ai pas besoin de le mettre vu que c'est dans l'autre zone. Quoi? Pourquoi il l'a pas pris? Ni? Pas grave. Donc alors... Alors je vous rattrape juste un petit peu. T'as découvert vraiment très peu de slime, les autres sont vraiment bien. Alors j'ai vu qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un slime rose qui a bouffé un slime les tigrés. Et du coup ça fait un slime rose tigré. Donc si je file à bouffer un slime à un autre slime ou un caca de slime à un autre slime, il évolue, c'est ça? Donc j'ai fait ah ouais ça peut être cool. Alors pour les habitats qui ont plus... Alors, en fait, le mécanicien va pouvoir accéder aux habitats, vivarium, distributeur, électricité, eau dans sa zone, ok. Pour les habitats qui ont plus de besoins, tu fais une zone en plus avec juste soigneur, mais tu mets aussi l'habitat dans la zone avec tout pour le mécanicien et le veto. D'accord, ok. Donc, c'est une grande zone pour les trucs génériques, enfin, en général, et après, une zone là où il y a besoin de soigneurs plus souvent. Ok. Ok, bah merci pour le truc, c'est vrai que du coup...
Bon, ça, je peux virer. Donc, celle-là, on a dit qu'on met, on met tout dedans. Voilà. Comme ça, il y a les... cette partie-là sera dans une zone. Et on a la zone principale et là, il y a la zone secondaire qui est dedans. Ok. Le zoo de Dédé la saumure, quoi. Ne fais pas ça, vraiment, faut pas faire ça. Ça crée des goudrons, les méchants slams, mais ça détruit tout. Ah ! Ok. Alors, je ne l'ai pas fait. Je l'ai simplement vu quand j'étais allée voir des slimes. Ah, mais alors, c'est pour ça qu'il y a des goudrons, les méchants, là, qui apparaissent en plein jour. C'est à force qu'ils se bouffent entre eux. Parce que moi, dans ma tête, les goudrons, c'était que de nuit. Parce que le jeu me disait que sortir de nuit, c'est dangereux, au départ. Ok, d'accord. Ah. Bon, ben, tu vois, tu m'as empêché de faire des expériences foireuses dans mon ranch. Je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, du coup, j'aurais pas fait des expériences foireuses dans mon ranch, donc ce sera pas marrant. Pour vous. Mais... ça, c'est que du mytho. Tu peux totalement sortir de nuit. Bah, pour l'instant, je suis sortie jusqu'à minuit pour récolter des slimes qui brillent, là, la nuit et tout. Les slimes lucioles ou je sais plus quoi. Et phosphorescents. Y a pas trop de soucis, hein. Bon, bah, j'espère que le soigneur, il va les nettoyer bientôt, hein. Il est encore tout petit, mon zoo. Hein. Stop pour les zones. Est-ce que tu as mis tout ton personnel dans la principale et juste un soigneur bonus dans l'autre? Bonne question. Alors... bien sûr que non. Donc on va prendre zone principale. Lui, il est... bah pour l'instant, j'ai 3 soigneurs. On va les mettre là. Et donc les mécaniciens. Pourquoi j'en ai 2? C'est une bonne question. On va... Ah d'accord, ouais, ok. Ah bah j'avais oublié d'assigner tout le monde, je faisais tout à la main parce que je suis conne. Voilà. Agent d'entretien. C'est pour ça qu'il était dégueulasse mon zoo en fait, c'est quoi ça? Charge de travail élevée. Ah! Je sais pas ce qu'il vend lui mais... je sais pas ce qu'il faut. Donc là normalement tout est assigné. Et j'ai un soigneur spécifique pour les éléphants lions. Quand tu auras le jetpack, ça ouvrira vraiment une grande partie du jeu. Ouais, j'essaie justement d'optimiser un peu le gain de pognon. Pour justement pouvoir acheter autre chose que des ramasseurs de caca et des clôtures plus hautes, quoi. On est d'accord. Ils sont toujours en burn-out, les vendeurs dans le jeu, t'inquiète. D'accord, bon, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Tout va bien. Ah, et alors, j'ai vu, je peux mettre je peux mettre des nénuphars. Il n'y a pas de poisson par contre. Et ça c'est dommage, on me l'a confirmé, quel que soit le DLC, il n'y a pas de poisson, donc bah, je vais mettre des nénuphars. Parce que je me suis dit, si je mets des crocodiles là-dedans, à mon avis, les gens, ils vont pas être joyeux. Hein. Je peux pas mettre des nénuphars? Comment ça? Ah. C'est des mecs de la SNCF ou de la DDE. Attendez. Ah d'accord, non mais attends, c'est normal qu'ils se mettent au fond? Quoi? Avec les DLC, ça ouvrira aussi une grande partie du jeu. Je viens de m'arracher la gorge en disant ça. Attendez, je suis pas sûre que les nénuphars soient censés être au fond de la flotte, hein. Des racines, je veux bien, mais... à mon avis, j'ai pas encore tout compris à comment ça... attendez, l'axe XYZ, c'est pas ça. Voilà. Ah, ça y est. Est-ce qu'ils sont bien posés? On dirait des tartelettes, c'est trop marrant. Ok, ça a déjà l'air un peu mieux comme ça. C'est une plante sous-marine désormais, c'est ça. Ouais, changer le positionnement des objets à la surface, j'essayais de me rappeler la touche pour faire ça. Quoi? Est-ce
qui s'est passé là? Ah non, mais c'est vraiment le construction du zoo à l'arrache. Voilà. Je fais des nénuphars volants, ça va faire un peu flippant. Des nénuphars fantômes, ah, ils flottent. Ok. Quoi? Non, mais non! J'ai pas validé! J'ai pas validé! Je suis conne! Voilà, on va les amener un peu par là. J'aime beaucoup les nénuphars en vrai, les premiers onglets des objets alignés sur la surface. Premier onglet des objets. Excellent! Oh purée, mais il y a tellement d'options! Ouais, c'est beaucoup plus facile comme ça, on est d'accord. Merci! Ah, ça doit te paraître... C'est le stream de Super Noob. Nouvelle zone, de nouveaux scans, de nouveaux objets, vraiment les DLC, c'est un bon truc. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je devais encore être en positionnement XYZ. Ouais, en fait, Crispin, je voulais mettre des poissons dans le lac, enfin dans le petit étang, mais visiblement, il n'y a pas. Je file à plus, il n'y a pas de soucis, Faust. Passe une excellente soirée, merci d'être venu. Toi aussi, Kevlasco. Bonne fin de stream et de soirée tout le monde, mais bien bonne soirée à toi également. Ça, si tu fais du Dead Cell, je passe après. Pour pas... sans aucune surprise, Dead Cell c'est trop bien. C'est quand même hallucinant que depuis que je stream, je fais des jeux que je faisais jamais avant et que j'aurais jamais pensé aimer. Donc, Alors ces nénuphars, on dirait des grosses tartelettes posées à la surface de l'eau et du coup j'ai envie de tarte. Enfin des tartes à bouffer, hein, pas des tartes dans ma gueule, hein, on est d'accord. On se comprend. Nénuphar 02. Je crois que Nénuphar 02, il est passé en dessous. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est une vidéo de carpe koi sur un écran, mais c'est un peu technique. Ouais, puis c'était pas exactement ça non plus que je voulais. C'est un peu flippant ce truc, on dirait des grosses pieuvres. Je pense que c'est les racines hein, qu'on voit en dessous. C'est moi ou ils sont pas... Ah non, c'est bon, ils sont alignés. Mais ils sont de travers ou... Quoi? Attendez. La musique du jeu, tu l'as coupée? Ouais, je l'ai coupée. Là, c'est juste la radio de Radio Chill sur Pretzel. Mais ils sont... Mais qu'est-ce qui leur arrive aux nénuphars? Ils sont de travers. Comment je fais ça, moi? Comment je peux rotationner les nénuphars? Ils sont alignés sur le fond de l'eau, pas sûr. Ok, donc pour ça, par contre, il faut que je vire. Si je comprends bien. Comme ça, je peux les aligner sur... comme moi, je veux. Ah ouais, d'accord, comme ça, ça marche mieux, ok. Mais c'est marrant, je pensais que... Ouais, donc du coup, aligné sur la surface, moi, je pensais à la surface de l'eau. Comme quoi, je pensais mal. C'est pas si évident de poser des nénuphars, hein. Mine de rien. Tu as un outil de rotation, mais c'est plus simple de refaire. Ah bah je crois que j'ai trouvé l'outil de rotation. Ah, d'accord. Des places, on pourrait placer quoi? Bref. On va mettre encore un petit ici et puis après je pense que j'aurai assez fait de la diptérosodomie sur les nénuphars. Hein. Voilà.
J'y suis presque. Yes. Ils sont en surface. Voilà. N'est pas Nénuphareur qui veut. Non, c'est clair. Hein. J'ai un autre argument pour demain. C'est le début de semaine. Je préfère faire du tryhard ou un bon jeu de chi, vu que le lendemain, tu feras un jeu et du tryhard dans deux jeux tryhard de suite. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Franchement, ce sera selon humeur. Honnêtement, je vais pas me stresser. C'est selon humeur. Et ça peut varier au tout dernier moment. Attention. Saleté de l'habitat va causer des maladies. Mais j'ai mis un soigneur, va donc nettoyer. Pourquoi il nettoie pas? Qu'est-ce qui se passe? Il nettoie pas. Bon, je sais qu'il passe qu'une fois dans le mois, mais enfin quand même. Hein. Oui, je suis en pause, mais j'avais enlevé la pause tout à l'heure depuis que j'avais fait les zones. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce serait... ou elle? Oh, ça pue ici, c'est dégueulasse! Ok. Dans 3 mois, les cacas d'éléphants sont encore là, mais trop, quoi. Et pourquoi Automode a encore censuré le mot caca alors que je lui ai autorisé de dire caca dans tous les... en long, en large, en travers, en pluriel Mais je crois qu'il est déjà appelé, en fait. Ah non. Bon. Il me semblait qu'avant, c'était en vert, ça, que c'était fait, et qu'il n'est pas venu, du coup. Par nourrissage. Pourquoi c'est en rouge, ça? Mon joueur, capacité de l'habitat en objet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de mon joueur ou pas assez? Ou qu'il y a une mangeoire en trop, peut-être? Attends, on va tester si je vire ça. Est-ce qu'il continue d'alerter? Ouais. Pas assez ou pas les bonnes? Alors, habitat, nourriture et eau, on était en point de nourrissage et éléphant. Hein. Rouge, grande, si c'était ça que j'avais mis pourtant. Bah je vais en mettre deux. On va lui mettre deux auges, on verra bien. Ouais, ou pas les bonnes, mais j'ai filtré par éléphant justement, donc comme ça il me montre que ce qui est bon pour ces animaux. La charge de travail, elle a fui, ouais. Et puis Lunas Automode, il est un petit peu chiantos, quoi. Optimisation. Alors, ils ont un truc comme ça. Grande mangeoire, ça je ne sais plus si je l'aurais mis, je crois pas. Pas besoin de les rechercher en sound mode. Ah, en plus, ouais. Il y a ça aussi. Du coup, je vais leur mettre un arbre. Mais, comme dit, comme je suis en fond illimité, autant en profiter. Je veux surtout voir si ce soigneur il arrive. Et je vais envoyer les lions. Parce qu'ils sont enfin prêts à sortir de quarantaine. Donc on va les déplacer. Et normalement je les mets ici. Voilà. Comme ça on va pouvoir voir. Animal malade découvert. C'est un éléphant ça au moins. Bah, bien sûr, il a bouffé du caca. Incubation, tu l'as remis. Il y en a qui va aller faire des recherches, je sens. Tu l'as remis. Est-ce que je peux faire la recherche comme ça ou il faut d'abord qu'il soit malade? Ah, super, il peut. Ah bah non, recherche terminée, ok. Ah mais j'apprends, on verra si j'ai des éléphants qui meurent noyés dans la merde, ou pas. Non, oh, le pauvre qui est malade.
Bon, bah, on a des ponts qui vont s'accoupler, c'est cool. Je crois que je te tends. Ah non, mais... Les pauvres. Il a faim. Oh, mais pourtant, ils ont plein à manger. Propreté, oui, ça. On est d'accord que la propreté, c'est pas optimal. Hein. Sandbox Power, j'ai jamais vu un éléphant shooter dans son caca. J'ai beaucoup joué. Ah bah voilà, tu vois, t'auras pas raté ta soirée en venant ici. C'est le zoo du noob, mais on shoot dans les cacas d'éléphants. Et moi j'attends l'arrivée des lions pour finir leur enclos parce que je pense qu'ils ont un petit peu trop d'herbe et qu'ils vont pas être jouasses. Les pans, à mon avis, vont vite être à l'étroit, donc je pense que j'irai aussi leur ajouter des petites haies ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui pourrait leur plaire aux pans? Ouais, des haies, des plantes, des fleurs. Ah, 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 ah! L'arrivée du lion! Et on a des éléphants qui s'accouplent. Ah bah c'est magique, les lions qui jouent dans l'herbe, les éléphants qui sont contents. Enfin, j'espère. Alors, je vais quand même juste voir s'ils sont contents dans leur habitat. Oh! Eh, mais vous rendez compte, j'ai même pas merdé l'habitat des lions, c'est magique. Il y a juste le terrain qui est pas terrible, mais ça je m'en doutais. Et ils ont... Ouais, ils ont trop d'herbe longue et pas assez de roche. Donc il faut de l'herbe courte et de la roche. Ok. Ça ne me surprend pas. Les herbes longues, je crois que c'est pas trop le kiff des lions. Hein. Bon, on m'avait dit aussi, ouais, ils ont besoin d'ombre pour se reposer, donc c'est bien, j'aurais mis de l'ombre. Les murs doivent être assez hauts, ils vont pas pouvoir s'évader en passant par au-dessus de leur... De leur petit toit. Et de la roche, c'est laquelle qu'ils veulent? C'est celle-là, hein. De la roche grossière. Il faut combien de pourcentage? Ils me disent pas combien. On va mettre de l'herbe courte sous les arbres. C'est pas évident, hein, de... On se dit, ah, c'est simple, un zoo et tout, mais il y a beaucoup, beaucoup de petites options qui sont quand même très, très cool. Voilà. Et encore un tout petit peu de roche, genre ici. Il faut combien de roche, là? 17%, ça te va pas? Ah, voilà. Je pense que là, ils vont être bien. Ils ont un soigneur. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le soigneur nettoie les éléphants. Purée, elle est toute petite par rapport au mâle. Oh, ils sont mignons. Ils sont beaux, les éléphants. Dark Planet Zoo, c'est plus simu que Zoo Tycoon ou un truc du genre. J'ai pas joué à Zoo Tycoon. Ah, par contre, j'avoue que je peux pas trop comparer. J'espère que j'aurai mis du bon grillage, mais... J'ai mis des parois en verre pour commencer. Les éléphants, ils arrêtaient pas de shooter dedans et de les péter, quoi. En même temps, avec le recul, oui, ça me surprend pas. Mais bon. La saleté de l'habitat. Ah, c'est l'étang qui écrase. Mais on s'en fout, il n'y a pas d'animaux dedans. Bon. L'habitat a besoin d'être nettoyé. On est d'accord qu'il me met bien l'étang. Ah non, 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 d'accord, c'est les pans. Ok. Je pense que ça, c'est du caca de pan. L'autre est moins cool et moins bien fait. Ah, Zoo Tycoon. Je pense que c'était du caca de pan, mais on n'arrive pas à le voir aussi bien que le caca d'éléphant. En même temps, c'est un peu normal. C'est aussi dingue en build, ce jeu joue presque plus à la gestion du jeu qu'à ça. Oui, oui. Je sais pas si c'est ça, mais
Mais j'ai vu qu'on peut aussi faire des... Bon, là, moi, j'ai pris les trucs en préfabriqué, mais a priori, on peut aussi le faire soi-même en les assemblant, je veux pas dire poutre par poutre, mais mur par mur, quoi. Ça a l'air assez... ah oui, alors là, par contre, faut que je le fasse nettoyer, genre, une fois par mois, on avait dit. Par exemple. Soigneur chaque mois. Enfin... Est-ce que je peux appeler un soigneur? Non, il est assigné. Pardon. Je peux aussi aller dans le workshop de Steam et utiliser des objets, habitats ou parcs d'autres joueurs. Ah mais ouais. Et j'ai pas du tout, je crois que c'est le premier jeu que je fais qui a ce genre de truc. Du coup j'ai pas du tout l'habitude de ça. Voilà. Renvoyer le soigneur pour nettoyer. Et j'avais dit aussi que oui, parce que je viens d'avoir le DLC pour aquatique. Donc j'ai essayé de mettre des phoques. Alors attends, okay, c'est lequel? C'est celui des pans qui chouine. Mais... Ah ouais, d'accord. Ah, lui, il se complète dans sa merde, littéralement, quoi. Ah, le pauvre soigneur. En espérant que c'est bien ça qu'il fasse. J'ai quand même vérifié qu'il nettoie, parce que je suis pas convaincue, hein. Faut pas créer un aquarium pour le phoque. Ouais, j'imagine que lui, alors avant de les acheter, je vais quand même voir, évidemment. Bah il le nettoie le caca ou pas là? Il remplit les mangeoires, c'est cool, mais... Je voudrais juste qu'il nettoie quand même. Et là je ne suis pas en pause. Ah, il leur faut un dab. Il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de dab. Je pense que c'est ça. On va le mettre ici, à côté de la boutique. Voilà. Ouais, ils n'avaient pas assez de pognon du coup pour acheter des hamburgers tout pourris. Là. Bon, que fait le soigneur? Ah, ah, ah. Ah, ça y est, il a amené son aspirateur à caca. Ah bah, c'était pas trop tôt. Hein. Je suis fascinée par le soigneur qui aspire les crottes. Mais les crottes, elles sont aussi grosses que le truc. Ah, c'est... J'aime bien les échelles parfois dans le jeu, c'est assez intéressant. Et il a à peine fini qu'il y ait déjà nouveau du caca. On peut pas prendre du fric, ça va pas du tout. Ouais, c'est ça. Alors, il va me falloir pas mal d'eau et de profondeur pour les phoques. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, il faut que je regarde... 72 des aspis, mais trop quoi. Un aspirateur par crotte. Wayne's, puis on dit, j'ai cru qu'on allait dire c'est des chiens, mais non, c'est. Non, non, ce sont des phoques. Que me dit la zoopédie? Alors, c'était quoi? 200 mètres carrés de terrain, 300 mètres carrés d'eau et 170 de profondeur. Hein. Ok. Alors, je me note juste. Donc on était sur 200, 300, 170, et ils n'ont pas besoin de hauteur, forcément c'est des phoques. Clôture 1,8 mètres. J'avais pas vu ça quand j'avais fait les panthères par exemple. Ouais, comme quoi. Taille du groupe 3 à 8 jusqu'à 2 mâles et 8 femelles, on va lui mettre un mâle et 2 femelles. Oh, il était trop beau. Attendez. Je suis désolée, j'ai trouvé juste trop beau. C'est trop beau en phoque, non? Trouvez pas? Oh, pardon. Je m'émerveille devant les phoques avec leurs grands yeux humides. C'est... J'aime bien les phoques.
Je file bonne soirée et enchantée. Bah, merci d'être passé, Chris Pims. Merci encore une fois pour ton follow et pour tes conseils. Et puis, bah écoute, tu repasses quand tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas encore, Planet Zoo, c'est assez récent. Pour l'instant, je l'ai mis le vendredi soir, parce que comme je suis crevée en fin de semaine, ça fait bien chill et tout. Après, à voir. Quand je peux faire des streams improvisés, c'est possible que j'en fasse une fois de plus dans la semaine ou pas, je garantis pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Deux femelles, faut qu'ils se dépensent, ça, ouais, c'est... Ou alors je mets un mâle et une... Ouais, peut-être un mâle et une femelle, comme ça quand ils font des petits, ça ira pas trop vite. Est-ce que les phoques, je les mettrais pas là? Parce que là, on a déjà de l'eau, donc si je mets encore un aquarium ici, ça va faire trop grand. Alors par contre, les phoques, est-ce que je leur fais un lac? Ou est-ce qu'il faut un aquarium, vraiment, vraiment aquarium? J'avoue que je ne sais pas du tout. Oh, il est, ouais, bien sûr. Parce que dans ce jeu, ça peut aller super vite. Oui! Alors, il n'y a pas l'air d'avoir des aquariums spécifiques. Donc, pour les habitats. Angle de toit concave, ouais, c'est précis, hein. C'est quoi ça? Sculpture de loutre en béton. Oh! Non, il n'y a pas d'aquarium. Bon. Je crois qu'il faut créer un bassin, je pense aussi. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va mettre des clôtures. Je pense que pour les phoques, des clôtures en grillage, ça devrait suffire. On va peut-être pas mettre des clôtures électriques hein, sur des trucs où il y aura de la flotte. Je sais pas pourquoi. Écoute, on va le mettre ici. Des lions, il y aura des phoques. Tout est parfait. Il n'y a vraiment aucune organisation dans ce zoo, hein, je vous garantis, c'est... Waouh. Attendez. J'ai dit peut-être mettre une allée. Pour délimiter un peu. Pas de phoque Claude François ce soir. Quoi? Ah oui, je suis... Électricité, ouais. Sur le moment, j'étais là, j'ai fait hein. Pardon, je baille déjà, c'est horrible. On peut pas le mettre comme ça. Je vais essayer de faire les trucs relativement droits. Relativement étant le mot-clé. Ah, j'avais noté quoi? 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Alors 200 mètres carrés de terrain, 300 de lac en surface et 170 mètres carrés en profondeur. Bon, on va essayer un truc pour les phoques, je sais pas ce que ça va donner. La dernière chanson, c'est dans la baignoire, oui. J'ai envie de dire qu'il a dû chanter très aigu, c'est pas très sympa de dire ça. Mais... C'est un peu grand, là, pour les phoques, non? J'ai aucune idée de ce que je fais, c'est trop génial. Mais c'est pas grave, on le fait allègrement. Pas tout à fait droit, mais pas grave. Alors, j'avais noté 1,8 mètres en hauteur. Bon, là, je suis large, hein, je suis à 2,40. Et aligner le truc comme ça, je vous dis, c'est vraiment... vous êtes à la pompe à essence, et puis vous essayez d'avoir 20 euros pile. Ah! Ouais, je vais mettre 250 parce que je suis arrivée à faire 1,50. Ils auront de la place. Ouais, je crois aussi. Mais c'est surtout qu'il leur fallait bah, quand même 500 mètres carrés en tout, plus le bassin. Donc.
Bon, bah, on va creuser, hein. Hey ho, on creuse. Alors, est-ce que ça fait un cube en profondeur? Bien sûr que non. C'est pas dans ce sens-là que je le voulais. Truc que j'arrive jamais à faire, on finit en 20-01 chaque fois. Pareil, mais trop, quoi. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Heureusement que je suis pas concepteur de terrain en vrai, hein, parce que... Ah, CTRL Z, ça marche pas, vite. Bon, ça fait un petit peu carré comme truc, mais... Mais en vrai, je suis conne. Un peu mieux comme ça, non? Non. Je vais y arriver. On va dire que c'est à peu près correct. Puis je finirai les bords à la mano. Pour donner un effet un petit peu plus naturel que cette espèce de truc. C'est plus un aquarium, c'est une piscine, ce truc. Oh là là, oh la catastrophe. On va le finir à la main, parce que là, c'est un peu... Ou pas. Ils ont de la profondeur, c'est sûr. Ouais, j'espère qu'ils vont pas se noyer, les pauvres. Je vais quand même essayer de faire un petit peu plus naturel, hein, pas une espèce de vieille piscine carrée dégueulasse. Purée, c'est des falaises. Oh là là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Mais faut qu'ils ont... ils aimeraient pas des petits îlots comme ça pour se reposer au milieu, je pense, hein. Faire des trucs un peu plus comme ça. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Une espèce, c'est une espèce. Ouais. Tu sais, la grammaire ici, les accords, les pronoms, tout ça. Ça va, ça vient. Ah non, on aurait José qui est venu avec sa pelleteuse, mais ouais. Ouais, non, mais là, c'est le temple sous-marin, c'est pas possible. Attendez, il faut que je fasse un petit peu mieux, quand même. Voilà. Non, c'est effectivement José qui est venu avec sa pelleteuse, on est d'accord. Ouais, je pourrais peut-être un petit peu renflouer ici. J'avais dit que je voulais faire une petite île. Je sais pas ce que je fais. Mais c'est pas grave, je le fais allègrement. Pardon à tous les chaussés. Salut Azaïla, comment ça va? Alors toi qui as vu les streams de Lapi, ne rigole pas, merci. Je suis en train d'essayer de faire des petits îlots pour que les phoques puissent se reposer dessus. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Écoute, ouais, ça va. Ça se voit que j'ai une semaine fatigante, je fais n'importe. Mais...
Peut-être trop d'intensité sur ce truc aussi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Ils ont des îlots, les phoques? On va rien dire sur les îlots, ouais. Merci. Merci de ne rien dire sur les îlots. Ah! Ça a l'air de marcher! Oh non, c'est pas si, si dégueulasse une fois rempli. Bon, maintenant, du coup, les îlots, ils font pas très îlots, mais... Ah, une fois que c'est rempli, je peux plus faire des îlots. Zut. Ça apporte du charme, tes petits îlots. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais par contre, faut que je vire la flotte pour les monter un petit peu. Alors, attendez. Ça a sonné, mais je crois que mon coloc, il va aller ouvrir. Je vais le laisser faire. Voilà, c'est juste les îlots parce que quand j'étais allée voir les stations pétrolières en mer du Nord, là, quand j'étais en Écosse, bah, les phoques, ils aimaient bien être sur les îlots. Donc je sais que... Oui, parce que la mer du Nord, là, au niveau de l'Écosse, il y a des phoques. Si vous avez jamais vu, c'est trop bien, quoi. Il y a des stations pétrolières aussi. Enfin, des plateformes style forage, quoi. Oh, ça devrait leur suffire. Hein. C'est vrai que ça ressemble à rien comme ça. Oh, ça va, je pense que ils sont bien. C'est bien, ouais. Ils ont l'air bien, les phoques. J'espère que c'est assez profond pour eux. Sinon, au pire, je viderai et je terraformerai. De quoi ils ont besoin? Ah oui, il faut que je mette, pardon, une porte. Ça serait bien. On va remettre des allées encore ici. Le positionnement des routes est quand même très fun. Hein. Je veux pas dire, mais... Je pense que la porte fera bien à cet endroit-là. Non? Ou pas? Renoir! C'est comme les forts de guerre en mer. Bah le bire, c'est-à-dire? Centre de réhabilitation pour phoques. Ils récupèrent des bébés phoques abandonnés ou malades, les soignent et les relâchent après dans la nature. Ah, ça c'est cool. On va mettre ça ici, et puis on va voir ce qu'il faut comme habitat. Alors Noah, je fais quoi? Je fais un habitat pour les phoques. Et je suis en train de me demander, est-ce que je peux mettre des petits rochers quelque part? Ah ouais, je peux. En texturant un peu. Ça... la monotonie du terrain, on va dire. Alors attendez, par contre, est-ce que je veux le mettre là? Non, je vais plutôt mettre l'habitat là-bas, enfin le toit. Je suis en train d'essayer de détexturer ma petite bosse. En fait, il faut que les gens puissent voir les phoques. Enfin bon, où que je la mette, ça cachera les phoques, on est d'accord. Non. On va faire ça comme ça. Pas trop de rochers quand même, c'est des phoques. Marcher, c'est pas leur fort. Oui, oui, c'est plus un rocher pour qu'ils puissent, tu vois, se reposer dessus, quoi. Les petits rochers dans l'eau pour qu'ils puissent aussi se mettre dessus. Je vais leur payer un ticket en leur disant vous allez voir des phoques, puis tu montres rien. Oh, tu sais, c'est le ticket putaclic en fait. Vous allez voir des phoques, ce que vous allez voir plus tard va vous étonner. Ou pas. Alors, je sais pas du tout dans quoi ils vont se reposer. Aquatique, habitat, jeté. Oh, mais oui! Ah, mais voilà!
Dans quel sens, du coup, par contre? Comme ça? Faut que j'aille manger, je repasse après, normalement. Enfin, j'espère. Écoute, bon appétit, Noah. Bon appétit à toi. On va dire que c'est pas trop dégueulasse. Ce qui est putaclic tellement, quoi. Ah, en vrai, est-ce que l'habitat, c'est pas un... ça, c'est pas un truc où je devrais mettre la clôture ici et les gens peuvent venir voir les phoques? Ah, je sais pas. Parce que ça, ça a l'air d'être pour les gens, on est d'accord. Plateforme de couchage. C'est pas les phoques qui vont aller là-dessus. En été, c'est un peu ça, les eaux, car quand il fait chaud, les animaux se planquent à l'ombre ou dans leur refuge, donc pas évident de les voir dans ces périodes. Ouais, quand tu m'étonnes, ils ont chaud. Voilà. Je suis en train de repenser le truc, du coup. C'est pas ça que je voulais faire. Aplanir jusqu'aux fondations. Quelle fondation? Je suis pas sûre que je suis vraiment en train d'aplanir là. Je crois pas. Ah, c'est tout pas beau. Tout pas beau du coup, mais j'ai un peu une meilleure idée de ce que je peux faire maintenant. Ah, je peux plus annuler, crotte. Bon, tant pis. En même temps, on va faire ça autrement. Il faut que je vide ça par contre, on est d'accord. Et je vais essayer, je dis bien essayer, c'est le mot clé, de faire un truc où les gens peuvent rentrer. Retour de José, ouais c'est ça. C'est José la pelleteuse. Bah non, parce que si les gens ils peuvent venir voir les phoques, c'est quand même mieux je pense. Donc comme ça on va faire un truc où les gens ils peuvent venir par au-dessus. Ne me demandez pas ce que je fais, surtout pas. Mais genre vraiment surtout pas quoi. Ah, ça ressemble à rien, c'est terrible. C'est vraiment le zoo de la honte ici, je vous assure. José s'est lâché avec sa pelle, mais clairement quoi. On est bien d'accord. Les phoques, en tout cas, il y a de la place pour un troupeau, là. Hein. Pas pour dire, mais... Ils seront bien comme dans la vraie nature, avec plein de flottes. Et on va leur mettre encore un petit rocher, quelques poids. Je vais d'abord essayer de mettre ma jetée pour voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je fais une grosse merde et je vais tout virer dans 5 minutes, mais... Mais c'est rigolo à faire, j'aime beaucoup, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Creuser un trou là où il fallait pas. Ok, alors, si les phoques, ils ont leur truc ici. J'ai une idée, je pense que ça va être juste de la daube, mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, je pensais d'abord que c'était pour les gens, mais en fait, non, hein. Mais comme ça, les phoques, ils ont un peu plus de place. J'étais pour mettre l'eau. Ils sont beaux, mes rochers, ils sont beaux. Bon, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas trop de place pour la petite jetée, donc c'est peut-être ça aussi qui était tout pourri.
Ouais, les phoques, ils peuvent passer en dessous, on va dire. Hein? Voilà. Ou est-ce que je fais juste une ouverture là? Écoutez, on va essayer comme ça. Ça ne marchera pas, évidemment. Il faut que je vire la clôture. Ah, je découvre, hein, pour le cas où c'était pas absolument obvious. Bah oui, forcément, faut que je vire celle-là aussi. Correction inachevée. Oui, c'est inachevé, c'est normal. Parce que je sais pas fini. On peut leur mettre des poissons à manger ou faut le soigneur? Alors, il n'y a pas de poissons individuellement qu'on peut mettre dans le jeu. Parce que justement, j'avais demandé parce que moi aussi, j'aurais bien voulu. Je pense qu'il faudra le soigneur, ouais. Je pense. Hélas, parce que j'aurais vraiment bien voulu des petits poissons. La jetée, elle est de travers. Mais genre bien, quoi. Ok. Je vais placer l'allée d'abord et on verra ensuite. Longueur, on va mettre... Largeur, on va mettre un tout petit peu 5. Ah, je peux pas le faire à la main. Ah... Maintenant, je peux déplacer ça. Enfin, j'espère. Ouais. Ah, j'espère que vous voyez ce que je veux faire. C'est pas très beau, mais c'est l'idée. C'est pas tout à fait, mais... Du coup, l'allée est trop grande. Mais, c'est l'idée. C'est l'idée. Mais non! Qu'est-ce que je fais? Je voulais quand même une allée à 4. Je peux pas faire une petite place comme ça? Les barrières de la passerelle m'ont l'air un peu petites. Mais en fait, celle-là, tu veux dire, ou ici? Le truc, c'est que je ne sais pas si ça, c'est censé être pour les phoques ou pour les gens. J'ai envie d'essayer, on verra bien si les gens se font attaquer. Ouais, mais non, attendez. Non, parce qu'il va me dire que la clôture est inachevée. Ça marchera pas, hein. Ouais, non, je pense que l'idée est intéressante. Mais ça a l'air d'être effectivement plus pour les phoques. Bon. Il faudra que je regarde comment je peux faire éventuellement des passerelles comme ça pour les gens. Mais pourquoi il y a des barrières si c'est pour les... Enfin, il y a des trucs comme ça pour les phoques. Ah, remarquez, c'est des lumières. Mangées par un phoque, ouais. C'est carnivore, les phoques, ouais, c'est carnivore, hein, ça bouffe du poisson. Ouais, c'est carnivore. Ok. C'est pas centré. J'aime pas quand c'est pas centré. On va essayer de le mettre un peu plus. Quitte à le bouger un peu après. Ouais non, ça a l'air pas, presque pas trop mal. Presque. Juste le faire un peu bouger vers là. Bon. Si je mets la passerelle en hauteur, ouais.
Alors comment je peux faire ça? Parce que d'un autre côté, c'est effectivement, c'est que des loupiottes. Donc on pourrait dire aussi que ben, les gens ils vont tomber s'il n'y a pas de vraie barrière. Ah, c'est dur la vie, hein. Faudrait que je trouve à l'occasion des petites idées pour faire ça un peu mieux quand même. Alors c'est couchage et abri, nourriture et eau. Mettre des mangeoires au bord de l'eau. Ah, il n'y a pas d'abreuvoir pour les phoques. Tiens, comme c'est curieux. Il faut pas boire l'eau du lac. Mangeoire sous-marine. Oh, on va mettre une mangeoire sous-marine. Ils vont être contents. Ça va faire du poisson. Par contre, est-ce que ça va faire des poissons? Parce que regardez. Attendez. Il y a un symbole de poisson dessus. Non, je pense que c'est du plancton. C'est pas des vrais poissons qui vont sortir du truc. C'est pas un générateur de poissons quand même. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi ? Bloc de poissons gelés. Ouh! Ah ouais, alors c'est des poissons gelés. Est-ce qu'il faudrait pas que... Arroseur automatique. Oh, des gros ballons de foot. Mettre un ballon de foot sur le rocher. Et un petit bonhomme de neige. Et ça, c'est quoi, plateforme flottante? Ah, comme ça, ils peuvent jouer dedans. Ah, c'est sympa. Je suis pas certain qu'ils créent de la truite. Je pense pas non plus, mais ce serait marrant. Alors, le seul truc, c'est que je ne sais plus au niveau s'il faut de la neige ou pas. Donc, écoutez, moi, je dis, on va prendre Valcott et Waynette. Parce que c'est les plus jeunes, donc ils tiendront un peu plus longtemps que les autres. Enfin, j'espère. Et puis on verra après selon besoin s'il faut que je leur mette de la neige ou pas. Voilà, on les met en quarantaine. Bon, ah bah dis donc, c'était laborieux, hein. Juste pour ça, pour un enclos à foc, ouais, pas donner la bête. Mais comme dit, heureusement que j'ai fonds illimités. Je ferai peut-être plus tard une partie, on va dire une vraie partie, mais là ce qui m'intéressait plus, c'était de faire la construction, de voilà, que vous puissiez choisir des animaux à mettre dedans, des trucs comme ça. Là je voulais faire les phoques, histoire de voir, parce que quand même, t'as des phoques. Puis c'est nouveau le DLC. Il y a des loutres aussi qu'on peut mettre. Il est fermé l'enclos, oui il est fermé, il est fermé. J'avais annulé les trucs de tout à l'heure. Par contre, il fait un peu vide autour de ça. Donc, j'ai peut-être rajouté des petits rochers, des trucs comme ça, mais juste histoire de casser un peu la monotonie du terrain. Bah, vraiment juste un peu, hein. Voilà. C'est un peu dur. J'ai pas les DLC parce que flemme. Bah moi en fait je les ai pas non plus. Là c'est le DLC aquatique, je l'ai gagné dans un giveaway. Donc du coup bah j'en ai profité quoi. Je me suis dit tant qu'à faire. Est-ce que je leur mettrais pas un ou deux arbres quand même? Qu'est-ce qu'ils aiment bien les phoques comme arbres? Est-ce qu'il y a des arbres chez les phoques? Je suis pas sûre que les scènes naturelles d'Afrique ça leur aille, hein. Aquatique, faux rocher, entrée. Ah, ça c'est peut-être plus intéressant. Ah ben voilà, c'est un peu plus sympa que mes rochers tout pourris là. Pourront se reposer sur... Pas besoin d'arbres pour les phoques, ouais. Je pense pas non plus. Mais plutôt des trucs comme ça, voilà, des branches d'arbres, des trucs un peu...
Parce que le terrain est super plat. Et là, ce serait bête de pas jouer un peu. Exactement. Ça ressemble. On dirait un bras qui sort de l'eau, vous trouvez pas? C'est un peu chelou, mais passons. Ah, c'est peut-être là que j'aurais dû les mettre en vrai, plutôt que sur les rochers, enfin que sur la terre. Ça me semblerait un peu plus logique. Voilà. Il y a une branche qui sort là. Mon clavier rate une touche sur deux, je pense que le dernier bain lui a pas plu. Ah! Tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Ouais, je pense qu'effectivement... Attendez, je vais trier avec aquatique. Ah, il y a plein de trucs sympas là, regardez-moi ça. Je peux faire un Stonehenge chez les phoques. Pff, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Scène naturelle. Ouh, des arbres en pierre. Arbre à fièvre, c'est quoi ça? Arum titan? C'est quoi, c'est les fleurs? C'est bon pour cette fois, je suis de retour. Yes! Le huitième clavier peut me le pire. Waouh. Bon, après... il fut un temps, alors pas sur le clavier mécanique, quand j'avais encore des, les claviers à 10 balles, hein, j'avais des ongles longs, et en fait, j'avais, à force de taper comme ça, avec mes ongles longs, j'ai fait des trous dans certaines touches, genre le S, le E, les trucs les plus utilisés, il y avait des trous, en fait. C'était absolument ridicule. On va leur mettre des trucs là, non? Des petites fleurs? Là, je force pour qu'ils marquent. Tu casses beaucoup tes mécas. Ah ouais, quand même! Ouais. Parce que moi, le mécanique, là, je l'ai depuis 4 ans, il n'a pas cassé encore. Donc, t'as un Ducky Shine 6. Et j'en suis très contente. Bon, par contre, le prix... Tu joues à la manette, c'est plus facile. Pour ce jeu, tu veux dire? Ou en général? Parce que selon le type de jeu, je vais plus jouer à la manette, effectivement. Des trous dans les touches, carrément. Ouais, ouais, mais c'était vraiment de l'érosion, quoi. C'est des creux. Donc la lettre était effacée, et après, le plastique était bouffé, quoi. Je savais pas que c'était possible non plus, mais visiblement, oui. Bah et ça prend du temps hein, de faire les trucs là. Jouer à la manette c'est plus facile pour pas péter un clavier. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. World of Warcraft m'a coûté 5. Oh, des mécaniques. Waouh. Ah quand même. Ah ouais quand même. Respect. Ou pas, je sais pas si je dois te respecter pour ça ou pas, désolé. Stylé l'enclos, bah merci. C'est ouais mais comme dit, c'est la première fois que je fais ça, mais je trouve que le zoo fait un peu plat. Mais bon, tant pis quoi. Après, ce sera à moi de faire des petites montagnes et des trucs comme ça. Faudrait que j'essaye de faire des collines peut-être pour faire monter. Peut-être une espèce de petite colline ici. Un truc en hauteur où les gens peuvent monter avec des terrains. Ah, c'est pas con ça. Ouais, ça se pète aussi une manette, c'est vrai. Certains gens on peut pas, j'ai pété 4 manettes. Ah, pour l'instant, les manettes... Alors, j'en ai une qui est une manette premier prix, hein, no name, que j'ai depuis 2-3 ans. Qui est ok, mais bon, c'est vrai que certains boutons commencent à faiblir un peu à force d'être utilisés. Et là, j'ai récupéré une DualShock 4 pour jouer à Hollow Knight et à Dead Cells, notamment. Qui est un peu plus cher, mais qui passe bien, quoi. Ah, tu rages beaucoup, d'accord. Ah, je vous avoue, je suis contente de pas rager, je suis contente de chouiner. Parce que au moins je casse pas mes manettes. Sinon ça ferait un petit peu délicat quand même. Faux rocher, tronc d'arbre. Ouh. Est-ce que
que je mettrais pas ça ici? Ça donne quoi? Bref, il est pas super bien placé, on va dire. Voilà, un peu mieux, j'espère. 5 manex de Xbox, je suis refait. La dernière sur Biomutant. Je compatis. Je compatis quand même. Ah, parce que tu rages beaucoup et tu ne quittes pas. Tu préfères m'énerver que t'énerver comme un con. Je rage, j'éteins et j'arrête de jouer pendant un moment. Ça marche aussi. C'est pas bête. Les Joy-Con sur Switch, c'est une purge. J'ai entendu dire que ouais, il y a les Joy-Con, il y a quand même des problèmes. Sur Switch spécifiquement, ouais. Je peux rager, mais jamais jusqu'à toucher au matos. Si ça commence à faire trop, je remets un autre jour. T'as bien raison, parce que le truc, c'est que moi, en fait, je suis radine à ce niveau-là. Donc, toucher au matos, ça veut dire qu'il faut que je dépense du pognon, et j'ai pas envie. Donc, ma radinité, en fait, à ce niveau-là, prend le pas. Tout comme ma flemme, des fois, prend le pas sur la fringale, ce qui sert bien. La tour a failli voler aussi. Ah ouais, ok. Ok. Je sais pas trop quoi dire là. Après je me dis merde et je rachète. Ouais mais bon, j'ai l'habitude de pas avoir de pognon, donc du coup comme je peux pas dire merde et racheter, ben j'essaye de pas casser. J'avoue. Ah. C'est quoi ces petits rochers vaguement moussus? C'est pas mal comme ça. C'est encore un peu vide, mais j'améliorerai l'habitat quand il y aura vraiment des phoques. Les Joy-Con ne marchent pas, donc le perso de HK, par exemple, il bouge tout seul la caméra aussi. Oh, d'accord. Ah, l'horreur. Ah ouais, c'est genre, tu pars en pause 5 minutes, t'avais laissé ton perso sur un banc, bah non, il continue à marcher, quoi. Ah ouais. C'est quand même pas cool. Bien merdique, quoi, on est d'accord. Ah mais attendez, je crois que j'avais vu un extrait d'un stream. C'était du Zelda ou je sais pas quoi. Et en fait, le streamer, il était parti en pause. Il avait laissé le personnage debout tranquille. Et quand il est revenu, son perso était mort parce que bah à cause du Joy-Con Drift, il avait bougé tout seul. C'est ça, ouais, c'est Luna's Business, c'est le Joy-Con Drift, c'est exactement ça. Contre les boss, c'est un défi, bah tu m'étonnes. Ah ouais. Manette qui te faisait ça dans GTA. Dans GTA, ça doit être fun. Les gens, ils sont là comme des critères. Je vais peut-être leur mettre des allées. Je sais pas ce que je vais mettre ici, du coup. Quelque chose de petit. Un petit enclos. Ou alors... Bah non, ils ont déjà une boutique de frites ici. Je vais pas leur en remettre. Ils ont les toilettes là, ils ont à boire, je crois. Ah mais le vivarium il est fermé là. Ah non c'est bon. Ils font quoi là? Ils font quoi? Mais... Bah, je sais pas, c'est une rave party dans mon zoo là ou. Manette qui a fini exploser, ouais. Du coup, 50 balles pour une manette pro pour pas que ça bug. Ah ouais, Nintendo n'a même pas fait l'effort de régler le problème pour la Switch OLED. La Switch OLED, ouais, elle est pas un peu foutage de gueule. C'est des problèmes, tes visiteurs. Non, mais je sais pas, il y a. Le stand de bouffe, ils vendent des space cakes là. Je sais pas ce qu'il en prend. Ils sont tellement contents que je leur ai mis un distributeur de pognon.
Pour être sûr, j'achète des fausses manettes sur Amazon, elles sont comme les Xbox, mais 20 balles, si je la casse, c'est moins grave. Ouais, c'est genre ce que moi j'ai aussi, quoi. Celle-là, qui est donc ma fameuse manette no-name, qui... Donc le bouton de saut commence à vraiment faiblir à force de sautiller partout dans Hollow Knight. Et de dasher partout dans Hades. Donc on le sent. Ce prix des cigarettes qui fait rire, c'est ça. Non mais ils sont chelous mes visiteurs quoi. Ah super. Bah écoutez, on va voir si les phoques ils sont contents. Livraison programmée. Et qu'est-ce que ça me disait là? Quarantaine terminée, ça c'est cool. Voilà. Et ça c'était quoi? Je pense que le prix du billet est bon marché. Écoutez, vous allez pas me faire chier longtemps. Hop. Voilà. Vous vouliez que j'augmente les prix? C'est fait. Nintendo se fout un peu pareil. Un peu des gens, ouais. Franchement, Nintendo, il pourrait faire un effort, on est d'accord. J'ai oublié les panneaux. Les trucs d'information. C'est où le nouveau service visiteur? Support média, voilà. La Wii U, le gros flop. Effectivement. Voilà. Purée, le truc il est tellement grand que ouais. On va en mettre un ici, bien qu'il n'y a pas de route. La 3DS c'est ultra bien, j'en ai jamais eu, mais j'ai des potes qui en avaient et ça avait l'air sympa. Le pire c'est qu'il autorise des plagiats de Mario sur Switch. Ah ouais? Alors qu'il y a plein de jeux qu'ils ont interdits parce que inspirés de Mario, enfin des jeux amateurs, des trucs qui n'étaient pas payants ou... C'est abusé quoi. Je vais essayer de poser une allée. Enfin de terminer l'année. L'allée, je vais y arriver. J'essaye de faire des routes droites. Hein. Ah, c'était limite sur le panneau. Hein. C'était vraiment limite. Là, il y a un jeu qui coûte 15 balles. C'est un plagiat infâme de Mario. Ouais, j'avais demandé aussi c'est quoi. Comme Lunas. Politique de Nintendo est étrange. Je dirais les gens qui ont du pognon, de façon générale, je crois qu'ils sont étranges en fait. C'est... Comme moi j'ai pas de pognon, bah je comprends pas. Le panneau posé sur l'allée, mais regardez-moi ça, on va peut-être le déplacer un peu. Ah, et j'ai oublié la boîte pour faire les dons. La boîte à sub du zoo. On va le lier au fofoc. Ah, oui, bah y a pas encore d'animaux, je peux pas encore, ok. Panda héros, d'accord. Ah, vous voyez ici, dans cet enclos tout vide désigné par José, bah, il est censé y avoir des phoques. C'est rien, c'est Nintendo, ouais. Ça m'embête, c'est vraiment plat ici, mais tant pis. Peut-être juste... faire un petit peu comme ça, mais avec moins d'intensité. Ouais, c'est vraiment la piscine creusée. Panda Hero, le pire jeu de la Switch. Le pire jeu au monde, mais les jeux mobiles font mieux. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, c'est pas flatteur pour le jeu, on est d'accord.
ouais, non mais comme ça fait trop terraformé quoi. Bon, tant pis. Non, c'est pas heureux. Là, j'ai fait du caca ici. Faut pas l'acheter. C'est une honte d'avoir fait payer ça. Ouais, en plus, bah oui, si c'est un, mais c'est un truc autorisé par Nintendo, du coup. Oh, ils sont trop mignons. Désolé, je fais des screenshots. Hein, m'en voulez pas pour le petit Twitch. Le petit son, là. Regardez comme ils sont beaux, là. Voilà. Bon, ils sont couverts de boue, ils sont dégueulasses, ils ont marché dans la merde, mais c'est pas grave. L'amour, c'est beau. Ils le vendent, ils en ont rien à en faire. Ah, il était autorisé, d'accord. Bon. Ah, par contre, mes femelles et éléphants sont toujours pas enceintes, on est d'accord. Hein. Je suis active sur mon Insta ou pas? Pas beaucoup, mais j'essaye. J'essaye. Le truc, c'est que je sais pas trop quoi poster parce que faire des selfies de moi... Enfin, vous avez vu ma gueule, y'a rien de spécial, quoi. C'est... Oh, c'est trop chiant d'avoir des petits. Y a Adama qui a des petits. Ça me stresse parce que pour moi, Adama, ça me fait penser au capitaine Adama dans Battlestar Galactica, donc... C'est bizarre. La gestation des éléphants, c'est long. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils ont pas l'air... Comment m'a baigné ces phoques là? Oh! Ah oui, alors attention, c'est vrai que l'habitat des phoques n'est pas dans une zone de soins. Donc je vais régler ça avant d'oublier. Il y a des délits? Oh! Ils ont vandalisé un panneau! Alors là. Oh bah je vais ramener les vigiles là avec les flashbangs et tout, c'est pas possible. Avant ça, on avait dit la zone, avant que j'oublie. Zone principale, modifier zone de travail. Voilà. Ah, ça va mieux comme ça. J'avoue que ce panda héros a l'air moche. Ah, il faudra que je regarde, juste par curiosité. Ma prochaine vidéo YouTube sera sur quoi? Il faut d'abord d'ailleurs que je la tourne. Ben, en fait, j'ai déjà le script, il faut juste que je me sorte les doigts et que je me filme. C'est l'intégration justement avec Voice Mode et le Stream Deck pour modifier sa voix. Vous voyez, on parlait de boutons, bah j'en ai un là qui pointe le bout de son nez. La villa. Donc je pense à me faire un compte Twitter. Bah alors Twitter, Noah, je te préviens, moi j'utilise pour parler de mes streams et pour rester en contact et pour découvrir de streamers et tout, mais alors Twitter c'est la lead d'internet. C'est... Tu prends ça comme tu veux, mais c'est la lead d'internet. C'est les bas-fonds, c'est les égouts. C'est le niveau des égouts. Alors là, c'est coup de couteau. Toi, t'es mitigé. Ah, sur Twitter ou sur Panda Hero? J'imagine sur Twitter. Ouais, bah moi aussi. Moi aussi, mais bon. Je dis, quand t'es streamer, youtubeur et tout, apparemment, avoir un Twitter, c'est quand même bien pour faire un peu ta promotion, quoi. Ouais, ça peut être bien comme horrible. Bah, en fait, il faut juste pas t'engager dans les dramas. Je veux dire, dès que ça pue le drama, tu retweets pas, tu réagis pas, tu likes pas. Parce que, attention, si tu likes, on peut dire que oui, vu que t'as liké le post de machin, donc c'est que tu es contre Trucmuche, vu qu'il accuse Trucmuche, et là, tu fais... vous savez quoi, j'ai pas regardé le truc électrique. Est-ce que tout est couvert? Bien sûr que non. Donc les panneaux seront pas alimentés, c'est quoi? Attends, c'est la porte. Bon bah ça sent le générateur. Hein. Mmh.
les petites transfos là. On va mettre nos transfos chez les phoques, vous en pensez quand? La fond de l'humanité, ouais, c'est ça. Trucmuche, c'est le nom du chaîne Twitch. Ah ouais? Il y a vraiment quelqu'un qui a appelé sa chaîne Twitch Trucmuche? Ah, il y a juste un panneau qui est pas alimenté si je fous le générateur ici à la loose. Ah, par contre, je sais pas du tout comment il est orienté. Par rapport à l'allée, donc... Voilà. Je pense que comme ça, j'arrive à couvrir le mur. Et il va m'en falloir un là-bas. Ah, c'est compliqué tout ça. Hein. C'est trop le truc muche, ouais. Après, ça m'étonne pas, après tout. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est marrant. Bon, il me faudrait un générateur ici, mais ça va attendre parce que je sais pas encore quoi mettre là. Là, il y a le parc des lions. J'ai qu'à mettre une allée pour que les gens puissent les voir. Ah. Mais non, c'est ce que je fais. Ça fait moche comme ça. Peut-être le virer après. Alors, le plan au sol est complètement éclaté. Hein. Mais genre, vraiment. Et je me demandais donc si je pourrais pas faire une... Alors, le zoo est absolument pas organisé, genre les animaux d'Afrique dans un coin, les singes dans l'autre, etc. C'est pas fait exprès, c'est juste parce que je fais les choses telles qu'elles me viennent. Hein. Oui, il n'y a aucune logique dans le zoo. Il n'y a absolument aucune logique. Et j'en suis fière. Enfin non, j'en suis pas fière, mais il n'y a pas vraiment le choix. C'est un joli zoo, tu trouves? Ou pas. Ah, je vais essayer de faire une espèce de butte comme ça. Genre une sorte de terrasse en hauteur. Là, je pourrais mettre peut-être des lacs en dessous, des trucs comme ça. Voilà, je vous préviens, c'est très moche comme ça. Hein. Voilà, c'est normal. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. Hello, Caramel! Comment vas-tu? Comment ça, c'est pas organisé? Tu penses que tu vas y survivre? Je sais pas, mais je vais faire mon possible pour que mon petit cœur ne soit pas trop blessé par ce manque d'organisation absolument infâme. Regarde-moi ça. Mais comme je sais pas utiliser les outils, c'est absolument magique. Alors, le plan, c'est une zone un petit peu en hauteur pour faire une sorte de terrasse, hein, je précise. C'est pas juste Nawak. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout, hein, y a pas à dire. C'est quoi un outil? C'est un peu ça. Ça a l'air compliqué, pas tant que ça. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est surtout de donner un air un peu naturel au truc. Faut pas de quoi tu parles. Du tout. Du tout, du tout. Bon, en vrai, je voulais que ce soit un peu plat là-haut. C'est pas gagné. Parce que je veux que le truc là, ce soit... Bah ouais, voilà, plat. Ah, ça va pas être évident de faire. Hein. Bon, je peux pas annuler plus. Ah, vous savez quoi? Maintenant, j'ai un outil rabotage. Je suis bête. Hein. Je pourrais raboter avec. Carmel, faut demander à José. Ouais. José, s'appelle-t-elle qui a creusé le bassin des phoques ici. Que j'y suis allée à la truelle, quoi.
Pour le coup, c'est très plat. Ouais, ouais. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte de terrasse avec, genre, voilà, des tables, de quoi bouffer, et puis d'avoir peut-être, ouais, style des bassins avec les crocodiles, des trucs un peu en contrebas, comme ça. Faudra que j'apprenne à faire des passerelles et des escaliers. Ça, c'est encore autre chose. Mais on verra ça plus tard. N'est-ce pas? Je pense qu'il doit y avoir des outils. Ceci n'est pas... Ce mot n'est pas sale. Une terrasse vue sur les crocodiles, c'est ça, ouais? Bah du coup, j'aurais peut-être dû mettre les phoques là-bas. Bon, c'est pas grave, ils auront vu sur les phoques par ici. J'aurais peut-être dû faire ça plus près des phoques, c'est pas grave, tant pis. Je vais peut-être la faire un peu plus vers là. Désolé, mais ça ressemble à rien. Et genre grave rien, quoi. Faut que t'apprennes aussi à faire des enclos pas carrés. C'est une très bonne idée, maintenant que tu le mentionnes. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que mon zoo, il a l'air un peu bizarre. C'est le zoo à boulevard Haussmann, quoi. Si tu veux plus ton sandwich, allez hop pour les crocodiles. Ah, c'est une bonne idée, ça, ouais. Les crocodiles, ils seront très contents. Voilà, donc là, on aura vraiment une grosse terrasse. On pourra mettre des vivariums, des trucs comme ça aussi. Bon, je vous promets que dans ma tête, ça avait l'air bien comme idée, hein. L'exécution est pourrie, mais... Dans ma tête, c'était beaucoup mieux. Dans ma tête, c'était joli et c'était plein de verdure et ça avait l'air de quelque chose. Bon, on va leur faire une vue sur les phoques à partir d'ici quand même. On va dire ça comme ça. Et maintenant, faut que je trouve les escaliers. Pour mettre là. Je vais y aller. Bonne soirée tout le monde. Bon courage, José. Merci à Zeyla. Bah, passe une très bonne soirée, toi aussi. Les gens avec les crocos, c'est plus immersif. Ouais, d'abord, ils peuvent aller rentrer dans le bac des crocodiles. Là, ça sera cool. Non? Non? Vous trouvez pas? Faut pas, je disais ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas très joli, hein. Ah, peut-être que si je baissais la taille, ça irait mieux. Ça me donnera plus de contrôle à cet endroit-là. Lâcher de crocodile sur la terrasse! Ah bah oui, bah, parti comme c'est, entre tous les animaux qui sont déjà barrés du zoo. Y'a pas à dire, hein. Bon, moi j'espère que j'arrive à faire des escaliers maintenant. Sinon, ça va être comique. Au moins, ça a l'air un peu plus naturel déjà. Maintenant, je vais essayer ça. Raboter. Je sais pas comment faire. Il fait le dé à la place. Il fait le D à la place du A, marche plus, Amazon va me venir en aide. Ah, ton clavier! Oups! Oups. Alors, par contre, je rabote, mais ça a pas l'air glorieux. En fait, je crois que je devrais juste mettre des trucs ici, hein, ce sera peut-être plus simple. Puis après, je mettrai des... Comment ça s'appelle? Des planches pour cacher la misère. Mort, un G515 de plus. RIP. Bon, l'outil rabotage, je suis pas convaincue. Mais c'est pas grave. Alors, verrouillage environnement. Les déformations s'alignent sur la surface. Des formations respectent ou non l'environnement. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Rabotage de l'extrême. Ouais, c'est...
C'est pas José le Pelter, c'est Denis le Remblayeur, quoi. C'est son collègue. Toute la terre de là-bas qui est ramenée ici, maintenant. Mais je vous jure que dans ma tête, c'était bien, hein. Je vous assure. Ça avait l'air bien. Faut que je trouve des escaliers, je peux pas laisser les gens se promener là-dessus. File d'attente. Ouais, mais non, ça marche pas. Ah. Est-ce qu'on peut avoir des escaliers, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est juste qu'il est effectivement trop irrégulier et du coup ça aime pas? Te dis José, ouais. Ah, t'as retrouvé un clavier à Bubble Beer, c'est cool! C'est cool ça. Le casse-pas ce soir, ça ferait beaucoup pour toi quand même, non? Je veux des escaliers, ça c'est des files d'attente. C'est quand même possible d'avoir des escaliers, non? Mais ouais, dans ma tête c'était vachement bien, surtout que maintenant que c'est là, j'ai plus à m'arriver à l'aplatir. Hein. Construction peut-être. Non, passerelle. Non. Pièce maîtresse, décor, architecture. Un vieux qui a l'air de marcher un peu, mais bruit du diable. Ok. Bah écoute, tant que ça marche. Hein. J'ai pas intérêt à casser un truc, sinon je serais plus de ce monde. Ouais, bah moi, c'est ce que je disais avant. Hein. C'est si je casse des trucs, faut que je les rachète et bah ça me coûte du pognon, donc j'aime pas casser. Caramel, alors moi, l'idée en fait, c'était donc de faire une espèce de terrasse ici. Avec là, il y aurait genre des bassins pour les crocodiles, des trucs bah, comme ça, les gens peuvent voir depuis, bah, ils seront en hauteur. Avec petite terrasse, resto également, voilà. Et en fait, l'idée, c'était que je voulais qu'il y ait des escaliers qui montent là. Enfin, escalier, passerelle, peu importe, mais un truc qui permette aux gens de monter. Tu vois, comme ça, quoi. Et en fait, je trouve pas. T'as déjà recommandé à nouveau? Bah, tu vas vite, dis donc. Toit et sol, porte et fenêtre. Tu vois, là, par exemple, je peux faire des sols, j'imagine. Alors, suis ce que je vais te dire, d'accord. Bon, ça, c'est une cheminée. Donc, je tourne trois fois sur moi-même en fermant les yeux avec une main sur l'oreille. Non, c'est pas ça. Alors, je continue de chercher pendant ce temps, pendant que tu tapes. Hein. Menu, allez. Donc, celui-là. Allez, chalet. Ouh, c'est sympa ça. Je regarde ce qu'il y a tant qu'à faire. Hein. Très années 70, ça, les briques décoratives. Ça fait bizarre. Ou mosaïque, ouais, ça se fait un peu mosaïque. À droite dans ce menu, il y a un sous-menu. Ça? Écran-barde, allez, écran-barde. Sans recommandation sur Amazon, c'est assez facile. Ah ouais. Bon, attends, il y a ça. Ah, oh, ça les met en plus petit, ça, c'est bien aussi. Je sais pas si c'est ça le sous-menu, hein, dont tu parles. Section multiple, non, c'est pas ça. Non, je pense que ça doit être ça. C'est ça, ok. Ah, je fais un tunnel, c'est cool ça. Pente courbe. Ah, celui-là peut-être. Coche aplanir le terrain, d'accord. Ça c'est bien aller avec rambarde. Bah pour faire pour les escaliers. Il doit se demander ce que je fais avec les claviers tous les 6 mois, j'en reprends. Ah non, t'es un bon client là. Faudrait qu'il te donne des cartes de fidélité. Eh, ça existe pas une carte de fidélité Amazon? Je crois pas. Hein.
Je pense pas. Oui, Noé, je passe à 200 followers, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je le fête pas tout de suite. J'attends plutôt... J'attends d'être genre 10 followers au-dessus parce que c'est pas... Il y a des fois des bots ou bien des gens qui sont pas vus depuis un moment qui unfollow. Donc j'étais à 200 dimanche dernier, je suis passée à 198 et là je suis nouveau à 200. Merci du nouveau follow d'ailleurs. Je me demandais pour faire quelque chose... à 250, à 500 et à 1000. Ouais mais l'autre fois aussi ça faisait deux jours Lounès, donc je méfie. Je méfie. Mais je suis quand même très contente, hein, ça n'empêche pas. Alors là... Alors maintenant j'ai besoin de faire ton escalier, tu cliques gauche et sans relâcher le clic tu appuies sur shift et tu montes. Ok bah on va voir ça. Alors je vais essayer de le faire un minimum droit quand même, même si le terrain est tout sauf droit. Alors clic gauche, sans relâcher je fais... Oh c'est génial, merci. Ah ouais d'accord, ça c'est les petites passerelles du coup. C'est pas ce que j'ai sélectionné là. Ah non, c'est pas le passerelle, c'est le bout du chemin. Excellent, c'est magique, merci. Parce que ça, je savais pas du tout comment faire. Bon alors par contre, c'est l'ascension de la grande pyramide. Hein, vu la taille de l'escalier, ils ont intérêt à être motivés les gens. Ah, super. Donc maintenant, il va falloir que je remblaye un peu le terrain là, quand même, histoire que ça fasse pas trop misérable. C'est un peu rigolo comme ça, par en dessous. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Pour redescendre, même procédure, tu refais, mais en descendant. D'accord, ok. Vous méritez son sandwich, ouais, et son crocodile. Alors, maintenant... Maintenant, il faut que je trouve comment faire des sols. Pour que je puisse, justement, bah, rajouter des... Une espèce de petit plateau. Bon, c'est un peu haut là, mais c'est pas grave. Là, c'est pas assez haut, mais c'est pas grave non plus. Parce que j'ai vu des planches comme ça, mais par contre, je crois que c'était pas des allées. Enfin, j'ai vu ça dans les tutos, quoi, on se comprend. Je peux faire aussi en décochant aplanir le terrain, si tu veux. Hein ? Comme ça ? Lui, par contre, faut que je l'aplanisse un peu quand même. Ah, c'est pas évident la terraformation, hein. Y a pas à dire. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Je verrai si je garde la route comme ça. Peut-être garder l'allée et la diviser en fait. Pour faire une plateforme. Écoute, ouais, Caramel, je veux bien parce que c'est pas évident ça. C'est pas du tout un truc qu'il y avait dans les tutos. Donc j'avoue que à moins d'aller chercher sur Google, mais là maintenant, bof. Par contre, ce serait peut-être mieux que je fasse des allées. Ah, c'est pas plat du coup. Il faut que j'aplanisse aussi. Faut que je reparte, bon stream et à dimanche. Eh bien, merci Noah, merci d'être passé encore une fois. C'est possible que je stream demain après-midi, mais c'est rien de certain. Donc, vous pouvez le garder en tête, mais sans plus, on va dire. Comment je vire ça de nouveau ? Voilà. Menu aligné sur gris, aligné sur gris. C'était pas ici. Alignement sur clôture. Non. Voilà. D'accord.
Vous créez des allées sur une grille de 4 mètres relative à un bâtiment ou à une allée. Choisissez un élément de bâtiment ou d'allée comme point de référence. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faudrait juste que j'arrive à faire ça complètement plat. Parce que dans l'idée, c'était de faire comme ça, une sorte de croix. Tu vois, comme ça. Et d'avoir 4 plateformes. Histoire que les gens aient quand même facilement accès, parce que sinon une immense plateforme comme ça fera un petit peu chelou quoi. Donc il faut d'abord que j'aplanisse. Et je pensais que ce serait avec ça. Mais je sais pas trop. Lisser. Ah mais du coup c'est pas assez haut. Je vais remplir un petit peu en avance. Aligné sur gris, troisième icône. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop d'intensité sur mon truc là. J'aime bien le bruit que ça fait, c'est un peu... Un côté un peu dégueu, mais c'est pas grave. C'était pas censé être aussi haut, mais tant pis. Donc alors attends, je remblaye juste un petit peu. Il vaut mieux que j'enlève des bouts après plutôt que l'inverse. Donc mettons que je vais plutôt faire les allées genre comme ça quoi. Voilà, puis je virerai après. Alors, pour égaliser le terrain, troisième icône. Celui-là ? Ah tiens, j'aurais pensé que c'était ça, moi. Du coup, c'est un peu trop... C'est grotte, ce truc. Ouais, en fait, j'ai trop mis, quoi. J'ai vu un peu trop haut. Ah, on en est pas loin. Je crois que là, c'est pas mal. Ah purée, c'est pas évident. Oh, égalise à partir d'une zone un peu plus basse que ton chemin. Ouais, donc tu veux dire faudrait que ça ce soit un tout petit peu plus bas du coup. Alors, il va falloir que je le passe en horizontal. Je suis désolée, je pensais faire plus d'animaux aujourd'hui, mais visiblement c'est beaucoup de terraformation. Hein. Un tunnel, nouveau concept de visite. Eh, un tunnel avec des aquariums. Mais comme il n'y a pas de poissons, je peux pas faire un aquarium marocain. Comme ça donc. Quoi ça? C'est moi qui ai fait ce caca là-bas? Ah le bruit c'est génial. J'ai fait un gros caca dans le coin là mais... Ah purée, bah merci pour les conseils en tout cas, parce que moi j'aurais pas trouvé tout ça. Ok, ça doit être pas trop mal comme ça par rapport à ma route. Hein. J'ai l'impression. Ce serait cool, mais dommage, les poissons sont les oubliés. Ouais, c'est un peu triste. Ah, ça marche pas. Maintenant plateforme. Ouais, alors en fait l'idée c'est que je voulais d'abord passer un chemin comme ça pour faire on va dire 4 plateformes. Et je crois que je me suis un peu ratée au niveau du terrain. Un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, je peux quand même regarder comment faire les plateformes. Ce sera pas un problème. J'espère
Là, je suis pas en train d'égaliser trop, mais... Aligné sur gris. Alors, on va tester ça. Aligné sur gris, on parle des allées. Hein. Ouais. Les allées sur une grille de 4 mètres relative à un bâtiment ou à une allée. Choisis ton chemin comme base de grille, donc ça. À la fin des marches, il va falloir mettre des bancs parce que là, moi, je suis out. C'est un peu ça, quoi. Je te dis, c'est l'ascension des pyramides de Aztec, là. C'est pas possible. Coche coin carré, coin carré... bord carré? Ça? Ah, pardon. Section de grille, coin bord carré. Ok. Oh, je, dans 3 jours, j'aurai oublié tout ça, quoi. Je vous jure. Ah d'accord, comme ça je peux faire des... De ce genre là je crois qu'il a pas aimé à cause des barrières. Mais dans l'idée ça a l'air d'être ça, si mon terrain était moins mal branlé ça serait ça. J'imagine. Ouais, parce que du coup, c'est trop haut. Non ? Ouais, c'est ça, il n'arrive pas à le placer. Shift et clic gauche. Alors... shift et clic gauche. Comme ça? Ah, il me l'a fermé. Hein? Je suis pas sûre que c'était ça, mais... Donc d'abord shift et ensuite clic gauche. Comme ça, je peux faire la plateforme. C'est ça? Il y a juste ça qui pose problème parce que j'ai un dénivelé un peu pourri à cet endroit-là, mais... Faut monter à la même hauteur que ton allée. Alors attends. Donc si on est d'accord, c'est bien ça que j'ai fait. Hein. Là, je suis bien à la même hauteur que mon allée. Et j'imagine, si j'ai bien compris, que du coup, je fais ça partout... Et ça me fera ma plateforme, quoi. Comme ça. Ouais, c'est un enclos à visiteurs, c'est ça. J'espère que je vais me rappeler ça. Mais j'ai juste un problème à cet endroit-là, en fait. T'es pas à la même hauteur au départ de ton allée. C'est ça, y a un truc qui... Je suis à la hauteur de l'allée par rapport à ça, mais pas au départ. Donc, le problème, c'est qu'il faut que je monte. Hein. Je pense que l'allée est trop haute. Hein. C'est ça le souci, elle est trop haute. Hein. Il faudrait que j'égalise à partir de là. Au départ, tu fais clic gauche et shift et tu montes. Alors. Aligné sur gris. Ouais, d'accord, sélection de gris, c'est ce que j'ai fait. Bord carré. Alors, au départ, je fais clic gauche et shift. Ouais, mais non, je sais pas. Il y a un truc que je dois mal faire, du coup. Donc, clic gauche et shift. Alors là, je suis en train de faire un clic gauche, j'ai shift maintenu, mais...
Ah non, il y a un truc avec le terrain qui va pas. Alors attends. Ouais, d'accord, je me mets là. Je fais clic gauche, je fais shift, je fais clic gauche et je monte. Ouais, mais ça monte trop là. Ah, le problème, c'est le dénivelé qui est là, je crois. C'est ça qui fout la grouille. Parce que c'est le seul endroit où j'arrive pas à le positionner. Ah, ah, ah. Est-ce qu'il l'a pris ? Non. Ah, il le veut pas, hein. Ouais, il le veut pas, ici. Ah, oh, j'essaye, hein, je vous promets, j'essaye. C'est un peu laborieux, mais... En tout cas, j'ai compris la procédure. Ouais, j'ai compris, mais je pense que c'est le terrain qui merde. C'est vraiment juste cette partie-là qui merdouille. C'est parce qu'ici, il n'a pas de problème à le faire. Donc, je sais pas ce que c'est le délire avec ce lien. Ok. Faut peut-être juste que je vire ça, du coup. Oula. Ma souris qui est plus contente. Quoi? Pff, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Je crois que c'est juste... Ouais, c'est vraiment le terrain qui est pas adapté. Je vais voir si comme ça marche un peu mieux. Donc on avait dit, je mets aligné sur gris. Je sélectionne ça. Et je fais bord carré. Ok, là c'est... Voilà, là c'est mieux. C'était vraiment le terrain qui déconnait. Ok. Bon ben ça va, je peux vivre avec. C'est pas trop... C'est pas trop dramatique. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, parce que ouais, du coup, ça m'aide bien quand même. Ah, par contre, pour faire ça, va falloir que je compte les carrés. Hein. Non, vraiment, il va falloir que je compte les carrés. Ce que, bien entendu, je n'ai pas fait. Comme vous l'aurez compris, je suis en train de poser ça complètement au pif. Mais c'est pas grave. C'est juste ça qui fait un peu bête, donc je vais faire un escalier, une plateforme maintenant. Ouais, bah c'est super, bah merci beaucoup. Je sais pas si elle va être symétrique ma plateforme, mais en tout cas j'essaye. Elle est absolument pas symétrique. C'est pas grave. Voilà, je suis à 10 sur 10, c'est peut-être un petit peu grand. Sinon c'est pas drôle, on est d'accord. Ah, ça fait des petits trucs comme ça. Ouais, faudra que je cache un petit peu la misère avec des buissons, des arbres et des trucs comme ça. Je vais voir, est-ce que je peux remettre un bout de terrain là en dessous du coup, ou plus. Si je peux. Ou pas. Non. Donc, moi aussi, on m'avait dit au début, alors, il est normal qu'à mon tour, j'aide des autres. Bah ouais, ouais, puis c'est vrai que c'est cool comme ça, on peut... Parce que c'est pas forcément évident, hein. Y a l'impression qu'il y a pas mal de possibilités sur ce truc. Ah bah voilà, je vais le monter là et je mettrai des buissons. Ça peut le faire, j'espère.
C'est même un petit peu trop là. Ouais, là par contre du coup c'est, je suis allée trop loin. Ok, bah écoutez, je suis partie sur du 11 sur 11, donc c'est grand, mais on va faire avec. Hein. Mais c'est bien, du coup, je me rappelle. Et comme ça, même si j'oublie, eh ben, il y a le stream pour me rappeler. C'est cool, il y a le replay. En fait, au début, on ne regarde pas assez les menus, les sous-menus pour voir ce qu'il y a dedans. Mais il y a tellement de choses, c'est vrai, il y a tellement de choses. C'est pareil, est-ce que j'aurais pas fait... Bon non, je vais laisser comme ça pour l'instant et je rajouterai des planches s'il faut. Un petit buisson dans le poteau, on y voit que du feu. Exactement! C'est exactement ça. Alors, on avait dit la grille, c'était ça. Voilà, j'avais dit 11, hein, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 21, pardon. 13, 14, 15, 17. J'allais dire, ça fait un petit peu grand, mais on va faire ça, des terrasses de resto, des boutiques, des trucs comme ça. Ça peut le faire, j'espère. Enfin, c'est vrai que c'est grand. Hein. Ça, c'est comme à Minecraft, à chaque fois, ça me paraît hyper petit. Alors qu'en fait, non. Pas tant que ça, quoi. Bon, bah maintenant, c'est du comblage de trucs. Hein. Et les poteaux qui bougent, c'est trop marrant. C'est rigolo. Les poteaux, ils changent de position selon que je rajoute des bouts, c'est space. Ouais, je peux laisser les poteaux, ça fait des ça ferait de l'ombre pour les crocodiles. Ouais, par contre, effectivement, faudra vraiment, vraiment que je fasse autre chose que juste ce machin plat qui est très, très grand. Et puis, si jamais c'est moche à l'usage, ben tant pis, quoi. Je me suis pas trompée, quand même. Hein. Oh, Bubble Beer! Oh, bah qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais que t'as retrouvé ta carte bleue, mais quand même! Bah. Oh, bah, c'est quoi ça? C'est quoi ces manières là? Merci beaucoup, c'est trop gentil! 5 abonnements pour la communauté, c'est trop gentil, merci! Et le boss de stream a été vaincu! Et j'ai pas vu qui était le nouveau boss, je crois que c'est Lounès, mais je suis pas certaine! Et du coup, qui c'est qu'on a? Bah, Lounès qui reçoit un abonnement. Et puis Caramel, Aywind, Arcades, Yajiji. Tsumeko a encore laissé ses savons. Quoi? Alors là, par contre, j'ai pas compris. Les savons? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais j'ai entendu la ref, mais là, elle me vient pas à l'esprit. Ah, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très, très gentil. C'est... Mais enfin voilà, vous ruinez pas, hein. Je veux dire, vous mettez pas dans le caca financièrement, c'est gentil, mais je veux que, enfin... J'espère que voilà, c'est... Je crois, Lounès, je crois. On glisse souvent chez elle, d'accord. D'accord, ok. Ouais, on glisse et on accidentellement on laisse tomber des subs, ok. Bah écoute, Lounès, il me semble, j'ai cru voir passer quelque chose, attends, je vais te dire ça. Oui, parce que j'ai un petit plugin, c'est le boss du stream, en fait, quand il y a des follow, des subs, des bits, des trucs comme ça. En fait, le boss, à la base, c'était moi. Le boss, en fait, prend des dégâts, et je crois que la personne qui inflige le dernier coup, qui tue le boss, devient le nouveau boss, et après, c'est lui à abattre. Attendez, je vais voir, parce que c'était assez rapide. C'est censé rester affiché 10 secondes, mais je suis sûre que c'était pas 10 secondes. Parce que... J'ai mis sur Discord un exemple de plateforme, celle de mon zoo. D'accord, merci. J'irai voir alors. Je vais aller regarder tout à l'heure. Je suis en train de me rappeler le boss du stream, c'est Streamlabs. C'est Streamlabs, ouais, qui fait ça.
Donc je vérifie, hein, histoire que je dise pas de bêtises, mais j'ai vu passer rapidement Lunes Business, donc je suis sûre que c'est ça. Alors, stream boss settings. Nom du boss actuel, Lunes Business. T'es à peine devenu le boss du stream, tu t'es déjà pris 40% de dégâts. C'est terrible. En fait, je pense que comme c'est toi qui as eu le premier sub, c'était le coup qui tue. Et t'es devenu le boss, et du coup, les 4 autres subs ont infligé des dommages. Ouais, MDR, ouais, c'est ça. C'est marrant comme petite feature. C'est fun. Après, moi, je peux changer les points de vie du boss. Mais pour l'instant, j'ai laissé à pas beaucoup parce que, ben, follow, ok. Bon, ben, les subs et les bits, je veux pas non plus que les gens se sentent obligés de claquer, quoi, on est d'accord. Bah en tout cas, Bubblebeer, merci beaucoup encore une fois. Du coup, je sais plus quoi dire. L'Arcarim plateforme à peu près, on dirait que oui. Ouais, voilà, à part merci beaucoup. Alors attends, je vais voir John Cena. Dorian encore une fois. Ouais, mais c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Alors, John Cena. On va voir John Cena. Ah, pour ceux qui connaissent pas John Cena, il est là. John Cena, c'est le killer. C'est lui qui engrosse toutes les panthères. J'arrive plus à contrôler ma caméra. John, où es-tu, John? Est-ce qu'il est là? Non, c'est Maurice. John Cena est dans l'autre enclos. Mais ils ont pas bougé depuis tout à l'heure ou quoi? Ah, il est là. Regardez-le, là, il fait le fier. C'est le boss du zoo, mais clair, mais clair. And his name is John Cena. Voilà, John Cena. Ah, il est beau, il est beau. J'arriverai à le sélectionner, ce sera mieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces crocs, cette queue touffue, ce poil luisant et ébouriffé. Mmh. Ah non, mais il est beau. Hein. Il est beau, franchement. Du coup, je fais des screenshots. Ah, c'est bien. C'est bien, il est trop beau ce jeu. Franchement, il est juste tellement beau. Il a l'air empaillé. Bah c'est parce que je suis en pause. Voilà, là il est un peu plus vivant. Je peux le suivre avec la caméra. Plus sauf qu'il bouge pas. Et il y a toujours les gens qui dansent derrière. Bon ça va, par contre, il est tranquille. Il est pépouze, hein. Je crois qu'il est coincé. John Cena défie la gravité. Ah, il est en vacances, ouais. Ah là là, regardez cette démarche souple. C'est la démarche du boss, là. C'est un dieu, il a volé, ouais. C'est John Cena. Ah, il a trouvé sa copine. C'est une paranuptiale ou ils sont en train de se taper dessus? Ok. Ah, elle est sous contraceptif, faut pas qu'il fasse des petits pour l'instant. Donc John Cena, c'est pas faute d'essayer, mais c'est ta compagne qui est castrée. Je suis restée énorme ce truc. Donc j'y pense, c'est énorme. Alors on avait dit qu'on prenait ça comme grille. Ils sont pas super câlins. Non, effectivement, ils sont un peu... Ah, attendez. On a une autruche qui va avoir des petits, si je me trompe pas. Alors, ce que je montre quand même, c'est est-ce que je peux faire des trucs plus grands si je... C'est pas avec Shift, Control, peut-être? Non. Shift est pour la hauteur. Ah, je sais pas. Tant pis, j'ai fait un par un.
22h20. Ah ouais, c'est vrai que pour vous, il est 22h20. Parce que moi, je suis une heure derrière. Donc, chez moi, ça va encore. Il est... Ah ouais, purée, ça fait plus de 3 heures que je fais mon stream. Et ça me surprend que je suis pas crevée, parce que vu la semaine que j'ai eue, quand je pense à mercredi, j'avais les yeux qui cramaient, quoi. C'est... Coucou, Crodov, comment vas-tu? J'ai appris à faire des plateformes, grâce à Caramel qui m'a expliqué. Du coup, comme tu peux le voir, je fais une... plateforme. Elle est grande, elle est ambitieuse. Va falloir que je la peuple, ma plateforme. Mais on avait dit, il y a une autruche, il y a Adama qui va avoir des petits. Donc, elles sont où les autruches? Elles sont là. Purée, c'est vide chez les autruches. C'est un zoo plateforme, mais ouais. Elle est où, Adama? Voilà, elle est là. Si j'enlevais la peau, ce serait mieux. Mettre l'animal dans une caisse, j'ai cru lâcher une caisse. Alors, une plateforme pour... c'est pour... L'idée, c'est de pouvoir avoir des trucs en contrebas, genre le bassin à crocodile, etc., que les gens puissent voir depuis les hauteurs. Et il y aura également des trucs style... terrasse, vivarium, des tables, de quoi manger, tout, ce genre de choses. Oh, il est mignon! Il est mignon! Pardon. Et il a deux! Il en a fait deux! Après, il se dédouble. C'est des autruches ninja, ils sont dédoublés. Il y en a deux ou trois? Un 3 heures de stream, c'est ta limite? Pas nécessairement. Pas nécessairement, c'est-à-dire j'ai pas une limite, genre je stream 3 heures et après j'arrête, tac, comme ça. Ça dépend de mon niveau de fatigue. On n'y a pas une doublette, ils sont 4. Ça fait 4 petits, le truc. Ouais, c'est vrai que ça pond des œufs, mais... Saleté de l'habitat risque de causer des maladies, ça par contre c'est moins cool. Ah, disons que ça va être vite... Adama, je vais peut-être la mettre sous contraceptif du coup, hein, parce que les autruches, je sais pas s'ils vont être joyeux une fois qu'ils seront tous adultes. Voilà, c'est tellement rapide d'accoucher. Oui, c'est vrai que... Ouais, elle a fait 4 petits. Bon, je croyais qu'ils se dédoublaient, je me suis dit. C'est des ninjas, c'est la technique de Naruto, là, machin no jutsu pour se dédoubler. C'est... Alors par contre, j'ai un habitat qui est crade. C'est les pans, ça. On va faire venir le soigneur. Oh là là, faut que je remplace la poubelle. J'ai un mec pour la sécurité, là. Agent de sécurité, zone principale, ouais. Ok. Déjà level 50. Ah ouais. Bah dis donc. Ouais, y a encore du chemin jusqu'au level 85, hein, mais... Je sais toujours pas quoi faire avec ces levels, mais c'est fun. Va ramasser les trophées. C'est ça, ces trophées des pans, quoi. C'était il y a que 47 jours, mais c'est vrai que... le temps, il passe vite, et à la fois, on a l'impression que vous êtes là depuis toujours, en fait. Que c'est à la fois très nouveau et que c'est là depuis longtemps. C'est le stream en général, j'entends. C'est vraiment... Ah, mais franchement, j'aime beaucoup ça. Le stream, c'est... Je pensais pas que j'accrocherais autant, pour être honnête, parce que... Surtout, bah, comme dit, quand vous êtes souvent fatigué le soir, c'est pas évident, mais... Et c'est vraiment marrant, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu le confinement. Je sais pas si je me serais vraiment intéressée au stream un jour. C'est... En fait, je m'y suis intéressée parce que pendant le confinement, je regardais certains... Bah, je suis allée un peu plus souvent sur YouTube. Ouais, on est bien là, c'est vrai. C'est vrai. Bah moi aussi, je suis bien là. C'est ce que je disais, ouais, que voilà. J'étais allée sur YouTube et je suis tombée sur notamment des... Je regardais des vidéos un peu au pif et dans les recommandations, il y avait des gens qui faisaient un petit peu des trucs style actualité, des jeux vidéo, des trucs liés un petit peu des dramas, des choses comme ça. Il y avait le lancement complètement pourri de le live, ce genre de choses.
Et du coup, bah voilà, par exemple, le live, s'il y avait la grande première sur Twitch où ils sont fait bannir, je crois, au bout de 10 minutes, parce que Kevin Razi qui a sorti le mot anglais en N que Twitch ne supporte pas. Donc c'est pour ça que je le dirai pas. Ce genre de choses. Et du coup, j'ai fait ah ouais, Twitch, stream et compagnie. Et puis à un moment donné, je suis commencé à regarder des streamers, des streameuses. Et puis je me suis dit ah bah ils ont l'air un petit peu vachement de bien s'amuser et tout. Et ça m'a donné envie de le faire aussi, quoi. Parce que à la base, moi je faisais surtout de la vidéo YouTube. Hein. Enfin, surtout, je faisais du let's play sur YouTube. Caramel, je suis en train de me dire, moi aussi, c'est un peu démesuré comme plateforme. On est d'accord. On est d'accord. Alors, à savoir que l'idée à la base, c'était d'avoir des chemins en croix comme ça. Je sais pas si vous voyez à peu près. Et d'avoir 4 zones. Peut-être une zone, ou alors une zone centrale avec des vivariums, et puis des petites terrasses autour. C'était un peu l'idée. Arche de Noé, ayez un lion, un tigre et un ours dans votre zoo simultanément. Je vais faire la liste des trophées. Oh, j'ai pas regardé les trophées encore, je vous avoue. Moi, c'est Mamie Twink que j'aime sur YouTube. Ah, je connais pas du tout. Il ou elle fait quoi? On va dire Yael, parce que je sais pas qui c'est. Ça penche, ça penche, ça penche. Je suis pas sûre, mais est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est... Alors, des lions, il y en a déjà à Lounès. Ils sont là. Ils sont ici, les lions. Il me manque le tigre et l'ours. Les lions, ils sont là. Il y a pour l'instant un mâle et 2 femelles. Mais c'est quand même des gros flemmards, ces lions, je veux pas dire, quoi. Ils sont là, vautrés. Regardez-moi ça. C'est quoi ces lions? Ils bougent pas, ils font rien. En même temps, c'est des chats, ça dort 18 heures par jour, je sais. Ah là là. Alors, soit ils dorment, soit ils sont crevés. Hein. J'espère. Atteindre une note de 5 étoiles pour un animal. Ouh. Alors, il est de Metz, Urbès, histoire de guerre, mais bien recherché, Mamie Twink. Dans à peu près 2 semaines, je vais retrouver mes post-it avec tous ces trucs notés dessus. Et je saurai pas ce que c'est. Et ça va être très fun. Alors, des ours, je vais juste regarder, normalement je devrais pouvoir en avoir. Ours Isabelle, oh, je sais pas ce que c'est. Et on avait dit tigre. Ok, bah je peux avoir des tigres et des nounours. Alors j'ai quand même essayé de finir ma plateforme d'abord parce que... mais c'est vrai que c'est grand. Est-ce que je peux mettre remplacer par mettre des trucs en bois? Par exemple, si je fais ça... Je me bats avec une mouche, j'arrive. Il n'y a pas de problème, Bubble Beer. Ne la tape pas avec ton clavier, parce que maintenant que tu viens d'en retrouver un, ce serait un peu dommage. Ouais, voilà, un truc comme ça. Bon, on est d'accord que la plateforme est toujours trop grande, mais... Ouais. Ah, j'espère que vous voyez ce que je voulais dire par cette histoire de plateforme. Alors évidemment, il le met là où il faut pas. Enfin, c'est celui qui m'enlève, c'est celui qu'il fallait pas. Je vais essayer de faire à peu près une approximation, on va dire. J'ai une raquette, je me suis foutu un coup de jus avec. Automode a bloqué foutu. Ne demandez pas pourquoi. C'est Automode. Alors, je vais pas mettre des mosaïques parce que ça va faire chelou, mais... C'est pas ça que je voulais. Je vais essayer avec ça pour faire un peu de contraste. Version 2.0, placez 25 optimisations différentes en toute franchise. Ouvrez votre premier zoo de franchise. Baby boom, faites naître 63 bébés à niveau. À niveau, animaux. C'est pas pour dire, mais avec John Cena, on est déjà bien parti. Hein. Alors, je vais, comme dit, je vais faire une approximation.
ça. L'idée, c'était quelque chose comme ça. Oh, j'espère que ça fait sens. Oh, Crodov, merci pour le cheer, merci pour les bits. Ah, Lounette, je suis désolée, t'as encore pris 100 points de dommage. Ah, le boss du stream. Ah, ah. J'espère quand même que tu vas rester boss du stream un peu plus qu'une soirée. Hein. Bah. Mon jeu a planté. Ok. Moi aussi, j'ai du pelletage de caca en live. Oh, le jeu a planté! Me dites pas que j'ai perdu toute la sauvegarde. Je veux voir quand même. Me dites pas que j'ai... Parce que j'ai pas fait la sauvegarde, forcément. J'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Oh, bordel. Oh, bordel. À la fin du live... Attendez, je vais voir parce que... Bon, s'il faut que je refasse tout, je referai tout, mais enfin bon... Ce serait un peu dommage maintenant que j'avais mis les lions, j'avais les autruches, j'avais eu des petits. Ça va, ça va. Bon bah du coup, Adama va re-avoir ses petits. ok, j'ai pas tout perdu, j'ai pas tout perdu. Ah ouais, non, là ça m'a foutu les boules quoi. Bon bah écoutez, je vais quand même refaire mon truc d'aller, j'espère que c'est pas l'aller là qui lui a posé problème, ce sera un peu ballot. Parce que je voulais quand même vous montrer l'idée que j'avais en tête. Ça se trouve, c'est tout pourri, mais... Voilà, si je fais 6 sur 6, c'est pas mal pour des vivariums, des trucs comme ça. Alors, je sais pas pourquoi ça a planté, mais... Je suis quand même contente que ça n'a pas fait planter tout le jeu, ça c'est bien. Voilà, l'idée c'était ça. Et oui, je sais, mon zoo est très carré. Comment ça plante, oui. Le jeu doit sauvegarder auto. Ouais, j'ai pas regardé où c'est, mais heureusement il y a des sauvegardes auto visibles. Donc ça va. Pouf. Ah, ça m'a fait peur. Je me suis dit, si je perds 3h30 de boulot, comme les tomates, pouf. Ouais, c'est ça. Voilà, bah ça me donnera l'occasion de rapetisser un peu la plateforme. 6. Voilà. Alors par contre, il va peut-être falloir que je réaligne sur la grille. Oui. Je sais pas si c'est normal qu'il a fait ça. C'est parce que j'ai pas pris bord carré, parce que je suis débile. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouais, tout ce que je dis. Au moins comme ça, je me rappelle ce que je fais. J'imagine que je peux toujours changer la couleur du sol s'il faut, hein, les planches, donc ça c'est pas grave. Mais ça me permettra d'avoir un aperçu et surtout de pas oublier d'ici la prochaine fois ce que je voulais faire, parce que effectivement, je vais pas live pendant encore 4 heures, hein, je vous cache pas. Mais comme ça, au moins, c'est un peu plus clean. Voilà. J'essaie très fort de pas éternuer dans le micro comme l'autre soir. Désolée. Et alors comment je vire? Comment je vire ça? Comme ça? Ouais, super, comme ça. Je sais pas du tout s'il y a une touche pour faire plusieurs sélections en même temps. Je vous avoue que... Faudra que je regarde. Voir comment ça se passe. Alors, ce truc que je regrette un peu là, c'est que du coup, c'est loin des phoques. Mais tant pis. Maintenant, avec le recul, j'aurais dû mettre... C'est des parcelles. Ouais, c'est un peu ça. Parce que comme ça...
Avec du 6 par 6, je peux mettre par exemple, tu vois, des vivariums comme ça au milieu. Enfin, je pense. Si je regarde, ben, on va vite voir. Ah, mais attendez, c'est des allées, j'espère que ça a marché. Les vivariums, c'était où? C'est dans service. Voilà. Si je prends par exemple celui-là. Voilà, alors je peux pas le poser parce que c'est des allées. Donc faudra que je règle ça, mais l'idée c'était ça en fait. C'était par exemple d'avoir des plateformes et puis les gens peuvent marcher dessus et tout, et là il y aura une bordure à côté quoi. Donc ouais, c'était très clair dans ma tête. Ça l'était effectivement un petit peu moins. Quand je le faisais quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu grand là du coup au final, donc j'ai exactement le même problème à Minecraft. Hein. Je vois très grand, on va dire. Faut enlever des morceaux d'année pour placer le vivarium. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais là pour l'instant c'est vraiment pour avoir l'aperçu du truc et égaliser un peu le terrain et surtout garder une trace de ce que je voulais faire. Parce que c'est clair dans ma tête maintenant, mais dans 3 jours, je sais pas. Voilà. Ah mais là le jeu qui a planté avant, ça m'a fait trop les boules. Hein. Je me suis dit, oh, c'est pas possible, j'ai pas tout perdu depuis le début. Voilà. Je sais pas si je vais peut-être mettre en clair parce que ça jure avec les barrières, mais ça c'est pas grave, ça je peux faire la prochaine fois ou un peu plus tard. Ben c'est l'occasion de revoir la naissance des petits de Adama. Adama l'autruche. Avec les petits qui apparaissent sortis de nulle part. Non. Désolée, je fais toujours des captures. Ils sont deux. Est-ce qu'elle en aura 4 de nouveau cette fois? Ah, un troisième. Elle en a fait 3 ou 4 sur ce coup? Ah, ils sont 4. Ils sont bien 4. Ah, il y a le truc de la caméra qui reste là. Ah, il y a le papa qui s'amuse avec. Je pense que c'est le papa. On voit grand, je m'étais pareil pour la voiture. Je peux plus aller en ville. Ouais, c'est le papa. Alors du coup, on va dire que si je voulais mettre un vivarium, donc il faut que j'enlève ça. Et est-ce que je peux placer quelque chose maintenant? On va essayer parce que je suis curieuse de savoir si ça marche. Ou est-ce qu'il va me dire que ça marche pas parce que le sol est... Ah, je pense qu'il a, il a pas de sol sur lequel se reposer. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Ah oui, ça, fallait que j'envoie le soigneur. Je crois que c'était grosso modo là où on en était. Donc par contre, là, je vais faire une sauvegarde manuelle. C'était celui-là? C'était celui-là, hein. Ça, c'était l'essai de base. Voilà. Ok, comme ça, c'est un peu plus clean. Ouais, puis ça casse un petit peu la monotonie aussi, parce que c'était très, très plat. Et beauf, quoi. C'était pas forcément terrible, plat comme c'était. Donc là, il fallait que je remonte un petit peu le truc pour mettre des buissons et cacher la misère. Par contre, là, pour le coup, je ne sais pas si je peux remonter le terrain. Alors, je peux, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il faudrait pas que je vire les passerelles là? Je pose mon vivarium et après, je recomplète.
tu attires de la terre avec des poils, ça s'appelle de l'herbe. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Alors, on va tester. On va tester l'hypothèse. Hein. Ouais, je changerai vraiment la couleur du sol parce que c'est pas très heureux. Mais... Ah, mais c'est ça, quand j'ai commencé à jouer qu'un truc, du coup, il faut que je continue, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment d'expérimentation ce soir, hein, y a pas à dire. Alors, il est un peu haut mon vivarium. Tout petit peu haut. Genre vraiment très très haut. Ok, ça aplanit au truc le plus haut. C'est pas ce que je voulais faire, mais... L'idée est là, on va dire. Voilà, c'est... L'idée est là. On y est presque. Je dis qu'on y est presque. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Mais ouais, du coup, voilà. Ça prend quand même doucement forme. Voilà, j'ai placé encore un petit vivarium comme ça pour essayer de compléter un petit peu l'effet, on va dire. Mais je pense que c'est pas mal. Ah bah non, mais il a pas d'allée forcément, alors il veut pas. Hein, quoique. Non. Pourquoi je vais pas le poser du coup? Il a pas assez de place. Il a pas assez de place, je pense. Voilà. Ah, peut-être que ça grid, il aime pas comme ça. C'est peut-être ça qu'il aimait pas. Il n'y a pas assez de place pour mettre la grid. Enfin, qu'il est en... C'est pas du bêtement du 4x4. Enfin, du 2x2, c'est du 4x4. Crocodiles, animaux à sang froid. On compte les crocodiles dans les eaux chaudes d'Afrique, d'Asie, d'Australie, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Certaines espèces vivent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée. Les espèces d'eau salée sont les plus grosses. Ouh. Bah, on va mettre des gros crocodiles alors ici, comme ça les gens les verront bien de loin. Hein. Je pense que ce sera un petit peu... ça s'impose. Voilà. Ça ressemble plus à grand chose, mais j'espère que j'arrive à me poser mon vivarium là. Mais non, il veut toujours pas. Ah, 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 ah! Ça y est, on y arrive. Il est pas centré. Je pense que la position des vivariums déterminera la taille du bousin. Hein. Je sais pas pourquoi. Je suis level 50, ça fait 47 jours que je suis là, plus qu'à faire de double et je suis niveau 100. Ouais, je sais pas comment ça progresse au niveau des niveaux maintenant que... Au niveau des niveaux... Je vais mettre ça ici. Et... Je compléterai la prochaine fois. Ou alors est-ce que je mets peut-être des petits vivariums plutôt que 4 gros. Que un gros comme ça.
Ah mais je pense que les petits voudra pas. Je vais tester. Ouais, il va faire de la merde. Alors. Ouais. Ah, ça sera pas centré. On arrête ça, on va pas repartir pour 2 heures de live. Non, je repars pas pour 2 heures. Je voulais vraiment juste positionner ça, histoire de pas oublier ce que je veux faire. Écoutez, je vais mettre ça comme ça, et pour la prochaine fois, ça me rappellera que c'était à peu près mon idée, et que c'est ça que je voulais faire. Et je mettrai des allées, ou des planchers, ou des trucs comme ça ici. Et je verrai comment ça se goupille. S'il faut que je rajoute... un truc là, par exemple, c'est pas trop un souci, quoi. Je suis pas sûre que le vivarium, ça passe très bien pour ça. Mais... des bancs, ouais, des bancs. Je vais laisser ça comme ça, juste histoire d'avoir encore une idée, pour que je m'en rappelle. Pendant ce temps, vue imprenable sur le générateur. C'est vrai que les gens, ils vont arriver là où il y a intérêt à ce qu'il y ait des chiottes et des trucs pour boire. Parce que... sinon, ils vont... ils vont être au bout de leur vie, les pauvres. Ok, je vais juste aller voir encore la tête des lions et des phoques. Hein, qu'on voit un petit peu ce qu'on a là-dedans. Donc, ça prend tout doucement forme. On a nos petits nénuphars. Qui sont là sur le petit... ils sont énormes ces nénuphars. Les nénuphars, ils sont plus grands que les gens. Ils peuvent marcher dessus, c'est magique. Là, on a les pans qui sont pas très nombreux. Mais ça fait un petit peu le pré-ovage quand même, ces trucs tout plats. Hein. Pas à dire. Bah bon. Les pans, je leur rajouterai un petit peu de verdure, des haies, des trucs comme ça. On a Morissette et son petit. Et puis Maurice qui fait la gueule. John Cena et sa compagne, toujours là. Eh ouais, eh John Cena, Panthère 3 étoiles. Ah. Les autruches qui ont des petits. Oui, j'avais dit que Adama, je lui filais du contraceptif. Voilà. Ouais, t'es encore level 50. Hein. Après, je t'avoue, j'ai pas fait attention si les levels changent avec les XP. Enfin, genre, est-ce que le niveau 51, c'est 1550, le niveau 52, c'est 1600. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Je devrais peut-être faire un peu attention à ce que je fous sur mes streams, je sais pas. Je cherche les phoques. Ils sont où les phoques? Marf. Ils sont où les phoques? Quelqu'un a vu les phoques? Je les ai bien amenés à l'enclos. Ils sont pas encore à la quarantaine depuis tout ce temps-ci. Pas encore à la quarantaine. Ouais, justement, je regardais parce que comme ça a planté, du coup, on sait jamais. Zone de quarantaine. Non. Ah, ils sont dans l'eau. Ah. Tu les vois? Ah oui. Ouais, je les vois aussi. Ils sont là. Enfin. Ah ouais, je me disais, ils m'ont fait peur, les phoques. Ah purée, ils sont trop beaux. Moi je sais pas, les phoques, ils me font toujours penser à des chiens. Au niveau de la forme de leur tête, il y a quelque chose de similaire. Peut-être pour ça que je les aime bien, parce que j'aime bien les chiens. Ouais, là j'en vois un. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Je sais pas comment ils s'appellent, les phoques. Walcott. Une photo. Les flemmards, les lions, ouais. Cela, c'était. Je vais voir, ils dorment encore là, les lions. Bon, il y a Walcott et non, il y a sa femelle qui doit traîner quelque part, du coup. Ah, si, ils ont bougé. Ils sont allés dormir là-bas. Donc, la preuve qu'ils ne sont pas morts.
grosse feignasse, c'est Lyon. Ah là là, est-ce que je leur ai mis un carton? J'aurais pas mis de carton, je suis une méchante. Bon, ça va, là, ils ont plein d'ombre, ils doivent être contents. Ah non, des bêtes qui attaquent! Attends, bah, fantaisie, je veux pas dire, mais là, pour l'instant, ils sont plus en train de ronquer et de rien branler. Hein, c'est bien la vie d'un lion. Leur planter un bâton pointu. Pique, pique, pique. Aller piquer dans les fesses. Non, mais ils sont vraiment beaux, regardez-moi ça. Bon, allez, Mufasa, là, lève-toi. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Et ouais, Fantasy, si t'as vu, les autruches, ils ont eu 4 petits. CF Ancestors. Ah, j'ai pas joué. C'est vrai que j'ai pas joué. T'avais quoi? Je suis pas repassé. T'as refait une deuxième partie parce que t'avais dit la première, c'était extinction de l'espèce, c'est ça? T'as réussi à tuer l'espèce humaine. Voilà, les autruches et leurs bébés. Et je sais pas si vous voyez avec la caméra, c'est... Voilà, vous voyez qui c'est qui sont leurs parents, quoi. T'as refait une liée, il n'y en a pas un qui est mort. Par ma faute, du moins. Ah bon, par contre, par la faute des lions... voilà, bah écoutez, on a rajouté... Bah les lions sont là, on a rajouté les phoques, les autruches et les pans ont fait des petits. Et là, faudrait que je vois comment meubler ce truc. Est-ce que je peux arriver à faire des vivariums ou est-ce que ce sera pas... Est-ce qu'il faut peut-être que je rapetisse encore le truc, possible, pour que ça soit symétrique. Mais maintenant que je sais comment faire, hein, grâce à Caramel, merci encore Caramel, je pourrais améliorer un peu les choses ici, quoi. Elle se démerde vraiment bien. Ah, par la faute de la vieillesse. Ouais, la vieillesse, ça va. Bon, ça va. Ça va. Voilà. Bon, bah écoutez, par contre, effectivement, maintenant, je vais quand même sauvegarder, puis je vais doucement arrêter. Pas abuser des bonnes choses. Et... Ah, le bonheur est dans l'enclos. Construisez un habitat contenant 30 animaux avec un bien-être supérieur à 75%. Ah, ouais. Il faudra que je m'intéresse un petit peu au succès. Parce que là, par contre, je ne les ai pas du tout regardés sur... sur Planet Zoo. Ok. Alors, une personne arrête, 7-Up 45, ou 7-Up 45, je sais pas comment. Ah, par contre, juste à voir qu'est-ce que fait la personne. Super Bomberman Air Online, je sais pas du tout ce que j'ai jamais regardé. On va mettre. Comment utiliser bombe caoutchouc, permet de poser des bombes rebondissant de manière imprévisible et ricochant sur les murs. C'est ce qu'il y a sur son stream, hein. Je pense qu'il est en train de regarder le menu. Ah ouais, Giroquake, t'en avais parlé l'autre fois, et en fait je me suis souvenu qu'il y avait un truc que je devais faire, sauf que j'avais oublié ce que c'était le truc que je devais faire. Et je m'en suis rappelé mais après quoi, genre juste avant de me coucher. Alors, il fait quoi du Quake Champion? J'ai jamais regardé, je me suis jamais intéressée à Quake, pour être honnête. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, j'ai personne dans ma liste qui fait du Planet Zoo ce soir, donc je peux pas vous envoyer dessus de toute façon. Ouais, j'ai d'autres personnes, pareil, qui font du Valorant, donc on est aussi dans un peu du FPS et tout, donc... Bonne nuit, Crodoff! Bah, en tout cas, merci à toi d'être passé! Bah écoutez, ouais, comme j'aurais dû raid Giroquake l'autre fois, on me l'avait proposé et puis j'ai complètement zappé parce que j'étais crevée. Donc je pense qu'on va faire ça ce soir pour rattraper le coup. En plus, il a que un il ou elle. C'est il? Je demande à Lounès parce que moi je connais pas du tout. Cette personne n'a que un viewer pour l'instant, donc voilà. Vous êtes pas obligé de rester si Quake vous intéresse pas, mais dites-lui juste bonjour pour... Voilà, faire un petit coucou et tout. C'est il, ok, d'accord. Ok. Ouais, là on est 6, si on lui fait tous un petit coucou, ça lui fera plaisir. Après, pareil, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de follow ou de sub ou quoi que ce soit si le jeu est pas votre kiff ou autre chose, mais... Ah! Hé, quelqu'un qui est plus vieux que moi, ouais!
Quake. Ah, des jeux de réalité virtuelle, tiens. Ah. Ça, j'aimerais bien faire. Enfin, pas en stream, en vrai, parce que j'aime bien les... En VR, bizarrement, j'aime bien les piou-piou, les jeux où il faut tirer sur tout le monde, parce que je peux bouger en même temps, et c'est trop génial. Alors que au clavier... voilà. Mais... ok, bah écoutez, ouais, je vais envoyer le raid là-bas. Bah, bonne nuit en tout cas, mais Carmel, encore merci pour ton aide. Regarde, bah en haut, si je regarde, regarding. Bah, avec l'histoire des plateformes, maintenant, ouais, je devrais arriver à me rappeler. Et comme dit, si je me rappelle pas, j'ai toujours le replay. On va se faire kick par le raid dans quelques secondes. Je vais passer en scène offline. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À dimanche, 10h pour le stream. Ouais, je vais voir Discord. Et puis sinon, peut-être demain. Allez, bonne soirée à tous. Ok, il y a le quad dommage qui arrive. Il me semble. Merci pour ton raid, Analpha. Merci beaucoup. Ah, Lune. Ah, Lune. C'est toi qui a suggéré le raid. Je te remercie. Merci à tous. Bienvenue chez Giroquet. Voilà, je suis Danufto qui joue à 400. Vous jouez à quoi juste avant? Tu streamais quoi en fait? Ah, c'est Nao, faut pas que je retrouve, c'est Nao.